Elle croit que on va la regarder. Regardez-moi une... Regardez-moi. Elle ose dire que, hein, que je rêve d'avoir son gars. Ouais, Seigneur, Maléba. Bipé Maléba ici. Je rêve d'avoir son gars. Bipé Maléba. Yowanda, un gigolo. C'est donc ne prononcer aucun nom. La personne qui vient nous chercher. Un gigolo. Elle rêve d'avoir mon gars. Hein? Patin le dirait les filles. Je suis de retour. Partager un peu et puis Patin le dirait mes soeurs. Regardez-moi une bordée, une bordée de camions rouges. Un bordée derrière les gens sur les réseaux sociaux. Mon bébé. Le médicament là, si tu n'entends même pas, ça va te faire entendre. Ce médicament s'appelle Maléba Perpétuel. Patarel le dirait, mais ça, c'est ça qu'il s'agit. Il a mesuré que Maléba, alias Diamant Bleu, prend les nouvelles positions en disant qu'elle n'est plus dans les clashs. Ouais, Seigneur. Patel, on dirait, on écoute la porte débordée. Patel, on dirait, aujourd'hui, c'est le cuir au menu. Débordé, Maléba. Hein? Les filles, vous avez vu à consommer du mougou mougou. Hein? Consommer le mougou mougou. C'est une boisson. Hein? Consommer le mougou mougou. C'est un de nos. Un ami, non? Un ami. Hein? Un ami. Un grand ami. Qui demande même mon direct là-bas? Consommer du mougou mougou. Hein? Boisson naturelle. Hein? Place, boisson naturelle. C'est un de nos grands, un grand frère à nous. Moi, tu es grand frère, non? C'est un grand frère à nous. Les hautes personnalités ivoiriennes. Les hautes personnalités ivoiriennes. On ne cite pas les noms des précieuses personnes. D'accord? On ne cite pas les noms des précieuses personnes. Consommer du mougou mougou. C'est une boisson. Attention, il y a le faux. Hein? Il y a le faux. Regardez bien. Mougou mougou. Dans tous mes directs, je vous parlerai du mougou mougou. Et il y a tous les fruits. Hein? Il y a en tout. Lancez comment? Je ne marche pas le rythme d'Atalie. Je ne pas marcher le rythme. Et il y a en tout fruits. Tout de fruits. Donc, il y a différents. Il y a différents goûts. Voilà. Moi, j'ai pris fraise et noix de coco. C'est une haute personnalité ivoirienne. Pas n'importe quoi. Donc je vais vous parler constamment du mougou mougou. Qui a bu le mougou mougou? Hmm? Qui a consommé? Je dirais mes soeurs, je vous en prie. C'est pas méchant, Mireille Véronique. Mais c'est pas méchant. C'est pas méchant, Mireille. Oui, Rosalie, c'est très bon le mougou mougou. C'est très bon. Coucou Véro. Tu as fait ma vie de Ndolé. Nous, on fait du cuit, une cuit. Coucou Anne-Simone, partagez le direct. On écoute la bordelle de Maléba Perpétue. Oh, je ne suis pas une bordelle. Maléba, je ne vends pas le piment au camion. Mon gars, c'est un intellectuel. Il est beau. Il est intellectuel, je m'en... Pas du tout. Bien élevé. La belle carrue. Belle carrue. Le teint est propre. Il a ses 32 dents. Voilà. Mon gars, c'est un intellectuel. Beau. Bien élevé, bien éduqué, instruit. Tu me parles d'un bousailleur. Bonne famille. Petit bandit gigolo qui mange les têtes de maquereau. Oh, tu m'as bien regardé. Patel le direct. Patel le direct. Consommez le mougou mougou, mes soeurs. Et contactez rêve bien pour les belles tenues. Habillez-vous décemment, les filles. C'est pas que tu vas mettre le rap de cuir comme on va venir te. Habillez-vous décemment. Voilà.
je traite avec la haute personnalité en Côte d'Ivoire. Je traite avec les hautes personnalités en Côte d'Ivoire. Hein? Consommer le mougou-mougou. Tu me parles d'un gars qui a deux, trois dents devant la bouche. Ce que je te montre. Mon gars a 32 dents. Personnalité. Hein? Il ne cherche pas le kaolo. Il ne cherche pas le kaolo. Maléba, je ne suis pas un bordel de camion. Tu as compris? Tu as souillé la marque Gluta Cosmétique. Tu as souillé la marque Gluta Cosmétique. Et je vais en parler. Je m'en fous de Ndolo. Ce n'est pas pour Ndolo. Je suis éduquée. Je suis instruite. Je dois me lever pour des causes nobles. Ce n'est pas pour Ndolo. Je me lève pour les causes nobles. Partageons le direct. Je dis non à la publication de la nudité de la femme sur les réseaux sociaux. Ouais. Je dis non à la publication de la femme. Je ne pleure pas mes combats. Mais c'est une cause noble. Hein? C'est une cause noble. Merci, mes soeurs Caroline. Merci, poupée. Poupée chinoise dit que c'est haute fort. Hein? Bonjour, Kwesi Dika. Bonjour, ma sistou. Bonjour, Laure. Bonjour, Mireille. Oh, c'est bon, le mougou mougou, Nat Daniel, c'est très bon, Hervé. Merci, Hervé, d'être là. Merci, Anne-Simon, d'être là. Les filles partagent, je dirais, mes soeurs. Je remercie toutes celles qui partagent mon direct. Je remercie tous ceux qui le partagent. Pour moi, quand elle a le direct, il ne regarde pas que telle personne en direct ou pas. Je suis une place avec les Yam. Je suis une place avec les Yam. Je vais m'en sortir. Je suis pas dans les coalitions. Je suis pas dans les coalitions. Qu'est-ce que ça va donner demain? Je suis une place avec mes Yam soeurs, ma grande soeur de la Suisse, mes patatana. Tout le monde sait que je suis la voix de la Russie. Elle est très occupée, Tana. Elle est très occupée. Donc, écoutons la bordelle, Maléba. Tu sauves. Mais non, certaines personnes ne sont pas. Merci beaucoup, merci, ma soeur. Merci, c'est mes sympathisants. Merci, moi, Fabiola. Je travaille dans cette démarche pendant des mois. Mais non, il y en a qui ne sont pas d'accord. Écoutez, en passant, Maléba. Je suis resté tranquille. En passant, je suis une femme au foie. On t'a invité. On t'a invité. Tu as dit ici dans un de tes directs que pourquoi le couple me sent portait le bleu. En passant, mais c'est cette condamnation au couple me sent. Vous avez vu ce qu'on vous racontait. Vous avez vu que Gluta vous mentait. Maléba vous dupait. Vous avez vu la famille me sent. Quand on ne vous raconte plus des histoires. Vos yeux ont vu. Vos oreilles ont entendu. Vos cerveaux ont mémorisé. Tata Star, elle est très jolie. Hein? Qui? Tata Star. Star, vous avez vu vous-même. Merci d'être là, Gaël Bronze. Merci, Brigitte. Merci, Yomi, ma sistou, Brigitte. Merci, Adrien, d'être là. Merci. Vous avez vu la famille, me semble. Oh, mes soeurs, quand votre maman n'est pas encore morte, quand votre maman vit encore, ne dites pas que vous êtes unis. Quand votre maman vit encore, ne dites pas que vous êtes unis. La vraie famille unie, c'est après le départ de qui, la mère. C'est là qu'on confirme l'unité d'une famille. Parce que quand la mère est là, elle joue la médiation. Les yeux parlent. Elle fait cet petit chantage affectif. Quand la mère part, c'est là qu'on confirme si vous êtes unis ou pas. Vous avez compris? Parce que tout le monde essaye de vous de créer la zizanie, de vous disperser, de vous séparer. C'est là où tout, comment on appelle les gens qui vont les pousser là? Comment on appelle ça? C'est là où tous les sorciers sortent pour vous désunir. Tant que ta mère vit, ne dis pas que tu es lié avec tes frères. Attends le départ de ta mère pour confirmer si tes frères et ou tes soeurs étaient loyaux. Donc, on a vu les familles me sang qui ont perdu leurs parents depuis des années. Mais ils sont unis. Ils sont unis. Unis de la grande sœur jusqu'au dernier, jusqu'à la dernière qui est ma pasteur. Ils sont unis. On a vu le deuil. Vous avez compris. Les corbeaux, merci beaucoup. Vous avez compris que les gens vous racontent des histoires. Il y a le virtuel, il y a la réalité. Bonjour Lolo. Bonjour beaucoup. Bonjour la métisse. Bonjour Una Kandem. Merci et t'aime aussi ma soeur. Vous avez compris qu'il y a le vitié, il y a le réel. Vous avez compris que Maléba perpétue tout ce qu'elle vous raconte sur les gens, c'est du mensonge. Des pipeaux, des histoires dormies debout.
Vous avez vu les premières grandes soeurs de Monsieur Messin jusqu'à la dernière. Vous avez vu les petits-fils, vous avez vu les enfants, vous avez vu le domaine de son grand frère. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Je vais me charger de vous montrer d'autres. La bordelle de Maléva Perpétue, là, la vendeuse de piment au camion. Oh, moi, je vais te montrer qu'on ne publie pas la femme. Tu as compris? Je vais te montrer sur les réseaux sociaux. Je vais crier jusqu'au jour où tu entreras dans l'avion pour le Gabon. La famille me sent, n'est pas ta camarade. Me sent marcher avec toi par pitié. Tu n'es pas le niveau de me sang. Tu n'as pas le niveau de me sang. Il marche avec toi par pitié, Maléba Perpétue. Qui dans ta famille? On a vu ton soi-disant toqué fenêtre. Dans quel cadre? Fallait au moins changer les rideaux. Fallait au moins changer les rideaux. Passer une couche de peinture. On a vu dans quel cadre un petit gigolo est venu te doter. Elle est venu toquer la porte. Ou bien la fenêtre, je ne sais pas trop. Imbécile, tu veux me parler? On dirait que je tremble devant l'homme. Tu m'as bien regardé. On dirait que je tremble devant l'homme. Hein? Tu t'énerves parce que on a mis la vidéo. Ta propre copine raconte ta vie à Bordeaux. C'est ta propre copine, ta collègue, qui nous raconte comment tu es arrivé à Bordeaux. Comment le jour de ton mariage, tu as binde avec un client. C'est pas moi. La suite arrive. Tu es pressé. C'est Sandra. Ça vient de Sandra, ça ne vient pas de moi. Si tu es trop énervé là, va remaudir Sandra comme tu l'avais maudit. Va la remaudire. Ce n'est pas bien. Je ne fais que transférer l'information. Tu as compris? À ma manière. C'est ta collègue Waka qui a dit que tu vendais le piment à Bordeaux. Et que l'incassateur, ton binda et ton tapis ont pris ta recette. Ils sont partis avec. Hein? On va t'écouter. Oh, Bipé Gluta Cosmétique. Bipé Gluta Cosmétique. C'est son ambassadrice humanitaire qui publie la nudité des femmes sur les réseaux sociaux. C'est son ambassadrice humanitaire. Bipé les Gabonais. Bipé Yael. Elle doit nous aider à transmettre l'information aux Gabonais. Leur dit qu'il y a un bordel sur les réseaux sociaux qui publie la nudité des femmes. Parce qu'on a soi-disant touché son compagnon. Bipé là. Elle va nous dire si c'est un acte louable. Si l'acte posé par son ambassadrice humanitaire est recommandable. Oui, sinon on doit faire pareil. Dites-nous. Je n'ai pas pour Ndolo. Hein. Je ne vais pas me dire que rêve demain Ndolo. Oh, je n'ai pas peur de quelqu'un. Je ne respecte que les gens. Si c'était moi, j'aurais montré que c'est mon corps. Voilà mon corps qu'on a publié. Compression Maléva Perpétue. L'ambassadrice humanitaire de Gluta Cosmétique. Publie la nudité de la femme sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est un acte louable? Est-ce un acte louable? C'est recommandable? Qu'est-ce que Gluta Cosmétique en pense? Qu'est-ce que tu en penses? Dis-nous. On a vu les fesses de Ndolo dehors, publiées par ton ambassadrice humanitaire. C'est la copine de Thierry qui publie les femmes sur les réseaux sociaux. Tu veux me parler? Oh, tu me parles. T'as dit que quand je me mets debout, même en face, tu peux me sucer. Je dis, hein, même en face, Maléba, tu peux me sucer. Je t'écrase avec toute ta tine. Je t'écrase avec toute ta tine. Mon atelier, les consoles, je t'écrase avec eux. Une bande de bordel et de waka et de consoles, vous écrase vous tous. Tu as publié Dolo Moulema. Tu as sali son honneur, tu as taché sa réputation. Tu as taché sa réputation. Tu as sali sa dignité. Quand il passe, les gens vont chuchoter de partout. Tu as dit que monsieur, ça va porter le bleu. Ma chérie, on ne met pas le bleu comme ça. C'était très moche. C'est madame qui te donnait certains coups de touche. C'était une leçon. C'était un coup de vestimentaire. Coup vestimentaire. On ne met pas le bleu comme ça de la tête jusqu'au pied. Tu étais très mal. Il fallait casser la couleur. Il fallait essayer de casser. Chez toi, la veuve. Maléba, en Belgique, c'était toi la veuve. Tu étais habillée comme la veuve. Tu voulais remplacer la maman qui est décédée. C'était toi la veuve. Le bleu, là, c'est pourquoi tu aurais dû casser, ajuster les couleurs avec autre chose. De bleu, de la tête jusqu'aux pieds, c'était très moche. C'était très moche.
Il fallait casser avec une autre couleur. Tu étais très mal habillée. Tu étais très mal habillée. C'était toi la veuve. C'est la veuve qui porte le bleu. Ou la famille. Les meufs avaient mis un foulard bleu pour montrer au monde entier qu'ils sont touchés. Pour montrer au monde entier qu'ils portent le deuil. Pour montrer au monde entier qu'ils portent le deuil. Les vrais stars sont en Belgique. Les vrais stars au moment où je te parle sont en Belgique au mariage. Tu es où? Toutes les stars sont versées en Belgique. On a vu Lolo et sa yam soeur. Les stars. On ne criait que le nom. Qui te connaît? Oh, bordel, qui te connaît? Qui te connaît? Voleuse, qui te connaît? Personne ne te connaît. Personne ne te connaît. On t'a invité à Belgique. Tu vas t'habiller complètement en bleu. Tu es veuve. Tu as demandé au couple médecin pour qu'il porte le bleu. C'est Alzheimer qui te dérange. Parce que Achille m'avait dit qu'il avait détecté ton Alzheimer quand nous vivions ensemble. Il y a le moment où tu étais en train de faire à manger. Tu es en train de repasser. Le téléphone sonne. Tu pars, tu oublies que tu repasses. Il dit que oh, oh, tu es en train de repasser. Tu dis que hein, j'ai oublié. Il y a le moment où tu mettais la marmite. On t'appelle, tu oublies que là, il dit, mais l'angas, c'est un problème. Je commence à comprendre qu'il y a un peu quelque chose qui ne va pas. Tu oublies tout. C'est pour ça qu'il faut toujours que tu sois sous tutelle. Et tu as confirmé ce que j'ai toujours dit. Tu es sous tutelle de ton gigolo. Oh ma chérie, je m'occupe de moi-même. Je n'ai pas besoin de quelqu'un. Tu es sous tutelle de ton gigolo. Et tes papiers administratifs se trouvent chez Tatiana. Elle me les a montrés. Tu as tes courriers chez Tatiana. Elle a tes courriers entre ses mains. Tu es quelqu'un, toi. Tu es quoi? Tu es plus légère que ça. Tu n'es rien. Tu ne peux blaser personne. Il dit, tu es plus légère. Tatiana m'a montré tes papiers. C'est écrit, Maléba perpétue épouse Ngossa. Parce que c'est ton gars qui t'administre. Et quand il parle, bindache Tatiana, il oublie tes papiers. Gisèle, tu ne sais pas lire. Tu es sous la tutelle de Thierry. Donc, on a vu Lolo et Flore en Belgique, les stars. Bien habillés. Tu mets le bleu, tu vas où? Tu as vu les stars en Belgique. Elles passaient pas inaperçues. Les stars, c'est Lolo et Flore. Personne ne te connaît. La preuve, on t'a pas calculé. Quel événement d'ampleur en diaspora qu'on t'a invité? Dis-moi, cite un. Cite. Depuis que tu n'es plus avec Flore, parce qu'elle est polaire. Quand vous choisissez soit les amis, ayez des amis qui vous méritent. Ayez des amis qui vous méritent. Madame Messan ne mérite pas d'être ton amie. Et même quand j'étais en clash avec Flore, je disais toujours ça, je le martelais. Quand vous foutez quoi avec elle? Elle ne mérite pas d'être à côté de vous. Il ne mérite pas d'être tes amis. Guylaine ne mérite pas d'être ton amie. Elle ne mérite pas s'asseoir juste avec toi. Une femme qui vit sous tutelle d'un homme. Oh, tu es ta amie avec qui? Ton ami, c'est la catégorie avec qui tu es là maintenant. Les filles qu'on appelle Melounou, je leur ai dit que ton ami, c'est Boumkena. Elle a dit quel mot là aujourd'hui? Qui? Boumkena. Ton ami, c'est le Boumkena. Qui parle de tribaliste. Oh, il y a le tribaliste sur la toile. Oh, il y a le tribalisme. Voilà ta catégorie d'amis. Tu dois être ami avec Boumkena. Qui dit, oh, il y a le tribaliste sur la toile. Venez voir la sorcellerie. Voilà ton groupe d'amis, maman. Je peux pas être ton ami, ma soeur. J'aurais mal à la tête. Tu vas me donner. Arrête. J'aurais la migraine. Tu vas m'énerver, m'énerve vite. Pour moi, on doit comprendre les choses rapidement. Quand tu veux comprendre, quand elle te répète trois fois, je m'énerve. Ton ami, c'est Boumkena. Ton ami, c'est Melounou qui parle sale français. Va tes amis là-bas. Tu ne peux pas être ami avec Madame Sang. Tu ne peux pas être ami avec Lolo. Tu ne peux pas être ami avec Flore de Lis. Jamais de la vie. Tu ne peux être ami avec Guylaine. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Et des amis qui vous méritent. Tu ne mérites pas ces femmes. Je te dis que ton ami, c'est Boumkena. Oh, venez voir la sorcellerie Tumeta. Venez voir la sorcellerie Tumeta. Ton ami, c'est Awa. Voilà tes amis là-bas. Savez eux que tu peux marcher. Quand tu entends Awa parler, ça te ressemble. Oh, ton ami, c'est la fille qu'on appelle Melounou. Bombo Kwala, qui parle français, tu as mal aux oreilles. Voilà tes amis là-bas. Ah non, tu es affreinte. Je ne suis pas ton ami. Je ne peux même pas envier ma chine, fille comme toi. Mais si tu roules à Houmeur, je ne peux pas t'envier.
Va tes amis là-bas. Quand vous parlez, on a du mal à vous comprendre. Il faut qu'on rapproche l'oreille à la caméra. Qu'est-ce qu'elle a dit? Il répète un peu. Qu'est-ce qu'elle a dit? On n'arrive pas à comprendre. Va vos amitiés. Oh, loin de nous. Éloignez-vous. Éloignez-vous là-bas. Allez là-bas. Allez là-bas. Dégagez. C'est quoi? Mes soeurs Victorine et Yango, tu es là, ma sœur, tout. Merci de la Victorine. Tu as oublié pour ce. Qui a dit Nancy ici? Vous avez les problèmes, hein? Marthe Poivre, tu as partagé ma sœur, tout. Boum, que tu dis que c'est ce qu'on appelle le couteau dans le poignard. Je répète. J'ai coupé le cul, oh Linda, c'est super. Lolo vous dépasse, allez ma petite. Comment vas-tu? Je dis, hein, allez dire à Maléba Perpétue que je ne peux pas être son ami. Je ne peux pas être ton ami. Ton ami, je te cite encore, tes amis, c'est le Bumkina. Qui nous disent en plein direct, il y a le, c'est le quoi? Le couteau dans quoi? Elle a dit quoi, il dit, le couteau dans quoi? Le poignard, le dos dans le poignard. Le dos dans le... C'est ce qu'on appelle le dos dans le poignard. Voilà ta catégorie d'amis, Maléba. Ta catégorie d'amis, c'est Bumkina, la sorcellerie de Meta, le tribaliste de Meta. Voilà ta catégorie d'amis. Maléba, ta catégorie d'amis, c'est les Awa qui ont français, je ne sais pas où elles ont grandi. Voilà ta catégorie d'amis. Ta catégorie d'amis, Maléba, ce sont les filles comme les Melounou. Quand elles s'expriment, on a du mal. On se rapproche l'oreille. Il faut écouter. Awa du Cameroun. Voilà ta catégorie, l'ami. Les Mitumba, c'est elle là-bas. Nous, on n'a pas besoin de toi. Tu n'as pas la classe de Flo. Flo est avec toi juste pour t'épauler. Tu n'as aucune classe. Regarde-toi. Regarde-toi. Qu'est-ce que tu as porté là? Tu nous as vu au deuil du grand frère Messan. Qu'est-ce que tu as mis là? C'est moche. Regarde-moi. Le bleu. Un bazar. Le plus moins cher des bazars. Quand tu mets le bleu, ma chérie, tu essaies de casser avec d'autres couleurs. C'est pas toi la veuve. C'est pas toi la veuve. Tu étais de casser avec d'autres couleurs. Nous, on a des amis valables. Regarde ça. Regarde ça. Et tu oses porter une notabilité. Tu mets sur ton cou. Tu n'as pas oublié les Bamileke. Oh, Maléba, ta relation avec le gars Bamileke, elle est finie depuis. Ta relation avec lui est finie depuis. Le gars qui t'a amené à l'ouest, là, c'est terminé. Tu ne peux pas être notre, tu ne peux pas faire le tour. On vous a zappé. On vous a montré que c'est Lolo et Flo la puissance. Donc, et je tombe un peu sur la droguée de Surène. On ne pouvait pas t'inviter au mariage. Tu n'es pas une star. On ne pouvait pas t'inviter au mariage. On ne pouvait pas t'inviter au mariage. Tu pleures pourquoi? Ça, il y a le tribalisme. Il n'y a pas le tribalisme là-dedans. On a invité les stars. Tu n'es pas une star. Ta place, ça avait les Maléba. Les messieurs venaient seulement t'épauler. Ils venaient te mettre, te donner un peu de visibilité. On t'a déposé. Et j'invite Flore de Lille. Ne fais plus allusion à Maléba, s'il te plaît. Parce que quand tu voulais faire, quand tu fais preuve de grandeur en parlant d'elle, ces idiotes-là essayent de te manquer de respect. Ma soeur. Quand quelqu'un te provoque, montre-lui que c'est terminé. N'essaye pas d'arrondir les bords. Parce que quand tu vas arrondir les bords, ces acolytes-là, ces idiotes-là, ces illettrés-là, elles lancent le direct pour te dénigrer. Apprenez à être
strength. Apprenez à être sévère. Apprenez à dire stop. Ne faites pas semblant. Elle ne vous sert à rien. Malepa ne vous sert à rien. Je dis qu'elle ne vous sert à rien. Donc, n'essaye pas de vouloir faire que tu vas embellir quand tu parles d'elle, Flore de Lille. Ça ne sert à rien. Parce qu'eux disent que tu racoles. On ne voit pas. C'est pas toi qui peux racoler cette femme. Malepa, tu ne peux pas te placer et tu me dis qu'il va avoir ton copain. Oh, c'est tout moi seulement le bras de mon gars. Il tient le bic. Il s'exprime, il écrit, il rédige. Ton petit gigolo là, ne peut pas rédiger, je rédige. Il ne peut pas. Le petit gigolo à qui tu donnes les têtes de maquero là, ne rédige pas, je rédige. Il ne sort pas avec les connards. Il ne sort pas avec la racaille. C'est ta tienne là qui le nourrissait. Tu as compris? Donc, si tu as peur de parler de ton Thierry, mais parle de lui. Tu as compris? Si tu as peur, si tu vas entretenir ton gars, moi, je te montre qu'il n'est rien. Donc, les deux âmes sœurs sont en Belgique, belles. Belles, tellement bien habillées. Flore de Lille en beauté, Lolo en beauté. Et on attend les robes de soirée. On va t'apprendre à t'habiller. Pas tes conneries de shine que tu portes là. Tes conneries de shine. Il faut supplier les gens pour te donner de l'argent. Une bordel, 25 ans au camion. Tu veux parler. Tu es folle. Tu es malade. Que j'ai peur de toi. Que j'ai appelé ta patronne. Ta patronne dit quoi? Depuis que tu as publié une jeune femme sur les réseaux sociaux. On a vu une femme en position levrette. Tu l'as publié. On a vu son mari, son compagnon. Je ne dirais pas mari. Son compagnon. Tu as publié son compagnon. Il ne t'a rien fait. Il ne t'a rien fait. Ta patronne dit quoi? Tu es son ambassadrice humanitaire. Amélie, ton ambassadrice humanitaire a publié Rêve Biaï. Elle a publié Caroline. Elle a publié La Douce Bamoun. Elle a publié Victorine. Elle a publié Lucky Luke. Elle a publié La Femme. Elle t'a publié toi. Qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que tu en dis? Ton ambassadrice humanitaire t'a publié. Elle a exposé ta nudité. Qu'est-ce que tu dis par rapport à ça? Vous êtes en train d'aller au Gabon. La première dame gabonaise, c'est une femme d'excellence. La première dame gabonaise, c'est une femme d'excellence. Les premières dames gabonaises sont des femmes d'excellence. Sont des femmes d'excellence. Tu amènes les bordels au Gabon. Pourquoi faire? Bordel de camion qui ne veut pas prendre ses erreurs. Qui ne veut pas prendre ses erreurs. Qui continue à publier la femme qui est la mère de l'humanité. La mère de l'humanité. Les premières dames gabonaises sont des femmes pétillantes. Les premières dames gabonaises sont des femmes instruites. Tu portes une illettrée qui publie une femme, que tu l'amènes au Gabon. Je parlerai de ça jusqu'au jour où tu seras au Gabon. C'est mon combat, ce n'est pas le combat pour Ndolo, c'est mon combat pour la dignité de la femme, pour l'honneur de la femme, grand F. Pour ceux qui ne comprennent pas, pour l'honneur de la femme, grand F. Regardez-moi l'idiote qui se permet de publier une femme. Elle montre la dignité de la femme sur les réseaux sociaux, celle-ci. On va se taire, parce que j'aurais peur d'Amélie. Même ici, comment vous pouvez, ben, je suis la fille du prophète Mérique. J'ai les techniques, j'ai les actes prophétiques. Je suis chez Michel, demandez-lui. Si elle ne veut pas des actes prophétiques, elle va vous dire que rêve en fait. J'ai les actes prophétiques. Parce que j'appelle mon père directement. Tu tentes, je l'appelle. On ne joue pas avec le démon le tue. Hein? Je ne suis pas le biscuit du diable. Je ne suis pas le mouton de sacrifice. Jamais. Vous avez compris, non? On attend, on écoute dans la ouac, la bordel du camion-ci. Quand mon père était ton jouet, tu t'amuses avec les photos de mon père. Appelle Nia qui vient te sauver. Je suis assise par terre, vous attends.
Regardez l'habillement. Maléba, tu es la veuve. Maléba, tu es la veuve. Qu'est-ce que c'est quoi? C'est le pétrole que tu as porté? C'est quoi ça? Maléba, tu es la veuve. C'est le pétrole. C'est quoi ce bleu? C'est quoi ça? Maléba, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu as au doigt là? Ah, c'est quoi? C'est la bague? C'est quoi ça? Villageoise. Villageoise. Je ne veux plus. Écoutons. Écoutez, on va me le dire tout ce qu'on veut dire. Mais non. Il y en a qui ont dit non. Ils ne sont pas d'accord. Mais pour mon frère, c'est quoi ça? Rentre derrière. C'est bon. Il y en a qui n'étaient pas d'accord. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. J'ai dit non, je ne veux pas répondre. Je reçois des félicitations des personnes qui m'appellent, mais ils ne répondent pas. Mais à un moment, stop. Le chargeur en bas. De quoi? Pourtant, j'ai des balles. Je te dis, je reviens, je vais carrément. Je peux tirer à balles réelles. Mofti! Pour déstabiliser mon adversaire. Mais je prends mon comprimé qui est Maléba Perpétue, j'avale. Hein? Que quoi? Maintenant, j'entends qu'il y a une personne qui pleure. Vous pouvez dire quoi? Comment pleurer? C'est interdit de pleurer. Parce que moi, j'ai pris les médicaments pendant que vous m'atomisez. Pendant que vous atomisez mon compagnon. Dégage, Maléba Perpétue. Maléba, ton médicament n'a pas soigné ta tension. Le médicament ne soigne pas ta tension. Oh, les coudes me font mal. Oh, le dos me fait mal. Oh, le bras me fait mal. Oh, la tension, oh. Ton médicament ne soigne pas la tension. Le médicament que tu as là, ça n'a pas soigné ta tension. De l'eau moulée m'était en classe avec toi, tu répondais. C'est parce que tu avais peur, elle était encore sur ta page. Tu avais peur qu'elle ait les balles sur toi. C'est le jour où elle t'a dit qu'elle n'a rien sur toi. C'est le jour où elle t'a dit qu'elle n'a rien. Elle est mentée, elle a lancé un direct. Elle a dit que je vais avouer aux gens, je n'ai rien sur toi. On ne dit jamais ça à l'adversaire. C'est pour ça qu'il vous dit que le clash est intellectuel aussi. Le clash que vous voyez là, il y a la sagesse dedans, il y a l'intellectualisme dedans. Et tu n'es pas intellectuel, on t'abat dans le clash. Je n'ai pas besoin de trop crier. Je te guette seulement et t'abats dans ton propre clash. Il faut seulement travailler un peu la tête. Je dis, hein, Maléba. Pourquoi l'engassé rit même depuis? Il y a quoi? Le live comment? Bonjour, Eve. Glita, hein? Allah, il m'a dit. Merci, Mayaël d'amour. Va lui poser la question. Demande à la dame qu'est-ce qu'elle pense de l'acte posé par son ambassadrice humanitaire. Merci, je ne t'ai pas vu. Nelly Panza. C'est parce qu'elle t'a dit qu'elle n'a pas les balles contre toi. Tu as sauté. Tu avais peur de réagir. Tu avais peur de réagir. Elle était vilipendée par ta team. Elle était vilipendée par ta team. Je vous dis que le clash, bouger les ménages, tu t'abats dans ton propre clash. Je n'ai pas besoin de trop crier. Le clash, c'est aussi la réflexion. Je reviens donner sa réponse. Je suis Modéry Payaï. Qui n'avait rien demandé. Vous avez donné tous les noms à mon compagnon. Vous l'avez humilié. Vous l'avez jeté de tous les noms. Je prenais le comprimé Maléba Perpétue, je lui donnais que moi. Donc, il n'y a rien en face. Tu vas guérir. Aujourd'hui, si vous voulez voir le compliment, appelez-moi, je vous donne le compliment. Ne pleurez pas. Et sachez que la loi, c'est pour tout le monde. J'ai dit, quand vous allez porter plainte, allez avec les vidéos où vous insultez mon compagnon, où vous m'insultez, vous me traitez. Les filles, vous savez ce qu'on va faire. Vous savez ce qu'on va faire. Vous savez, on va mettre le direct de Gluta ici. Peut-être écouter mon message. On écoute. Après, on continue. C'est vendredi. Salut Jeanne. Salut Nelly. C'est samedi, pardon. Salut Marie Lancôme. Salut Nelly Panza. Mmh.
Non, prenons le moelleux. Ton campagne est trop forte, je crois. Le sucré, là. Il y a le sucré. Il y a le rosé. Ah, j'ai le rosé. Le champagne rosé avec moi. Ça fait le rosé. Bonjour, je suis une Ghanéenne. Écoutons. Pour chaque incorrection, mettez à les plaintes pour nous. Écoutons. Coucou Marc Laron, salut ma sistou. Salut ma bique. Salut Linda. Mes amis. L'éducation que nos parents nous ont inculquée, l'éducation de base n'a strictement rien à voir avec l'école, avec les bancs, avec le fait qu'on a bac plus 7. Ça n'a strictement rien à voir. Notre maman, notre papa, même s'ils n'avaient pas fait l'école... Bonsoir, c'est toi, c'est toi. Bonsoir, Mimi. Il ne faut pas mentir. Il faut partager, il faut donner de l'amour, etc. Là, ce sont dans son élite et ce sont des valeurs universelles. Universelles, qu'on soit chinois, indien, africain, ce sont. Merci Talita d'avoir partagé, Talita Cordes. À son enfant, bac plus 7 ou bac plus 0. Est-ce que vous entendez même? Merci la douce Bamoun. Merci Lucky Luke. Vous entendez même. Je suis la directrice de l'entreprise Gutta Cosmétique. Elle est la directrice de l'entreprise Gutta Cosmétique. Je vous ai dit, je suis sur la route. Hein. Donc de temps en temps, c'est normal. Vous pouvez avoir du soleil. Manganda m'a bloqué. Eh, FP m'a fauché. Tu as fait comment là-bas? Camion rouge gossa. Et chaque entreprise, c'est elle en route. Ah, voilà, on va laisser. On va laisser. Chaque entreprise. Merci Marc, merci beaucoup. Merci ma big moula, merci d'avoir partagé Marc. Je ne peux pas vous lire parce que je suis sur la route. Je ne peux pas lire vos commentaires. Je suis en train de... M'allez pas, je te dis que je ne combats pas pour les gens. Tu t'attaques à mon père, à ma mère. Tu t'attaques à mon père, à ma mère. Je n'ai jamais oublié ça. Jusqu'à arriver à destination. Je me défends. C'est ça. Je vous ai dit que, enfin, pour beaucoup qui me suivent, ils savent que j'ai été élevée en partie. De la 5e jusqu'à la terminale, j'étais chez des bonnes sœurs. J'étais chez des religieuses. Loin de chez mes parents. Vous vous pleurez beaucoup. Loin de mes parents. Mais on dirait n'intéresse pas. Tu as continué. Les filles, allons te m'aller bas. Le direct que j'ai fait ce matin a réveillé Maléba. Allez, écoutons. Plaine, je lui donne le comprimé. Maléba perpétue, il boit et il dort. Tu donnes le comprimé, Maléba perpétue à ton gars. Tu vas à un deuil, non? Tu vas à un deuil avec ton compagnon. Son ex-copine vient le lever devant toi. Ton ex-copine, tu n'as même pas honte. Tu dévalorises la femme, Maléba. Tu dévalorises la femme en mettant l'homme devant toi. Un homme qui ne t'a pas honoré. Ce qu'il a fait là chez toi, c'est insulter ta famille. C'est insulter ta famille. Tu dévalorises la femme en parlant toujours de gars, de gars, de gars, de gars. Tu vas à un deuil avec ton compagnon.
son ex-copine, la belle Tatiana, vient le lever devant toi. Viens le lever devant toi. Il va causer avec sa copine. Il la moque bien même. Avant de revenir te voir, tu viens nous parler. Tu es une femme. Tu es une femme lettre. Tu es une femme, toi. Une femme peut lever mon gars devant moi. Une femme peut venir lever mon gars devant moi. Ça commence comment? Tu es une femme. Tu es une patronne de team. Tu as quelle personnalité? Zéro. Zéro. Ton, son ex-copine. Viens le lever, elle le tapote, suis-moi. Il se lève. Il va causer avec Tatiana. Il embrasse, il revient. Il te demande, ça va? Il savait bien que ça n'allait pas. Mais il voulait l'entendre de ta bouche que ça ne va pas. Parce que quand l'homme te fait du mal, il veut savoir si ça t'a touché. La bête, la bêtise, on ne dit pas ça va. On ne dit pas ça va pas. Au contraire, tu vas lui donner une réponse au contraire. Mais tu lui as montré que lui, ça ne va pas. Ça ne va pas. Tu as le droit de te lever et de partir. On t'attend depuis. Le gars mope, tu as l'imbécile de me parler. Tu m'as regardé, tu es folle. Que mon gars m'avait entendu ce discours sur Meta. Je me suis mise devant vous en parlant d'un homme. Dit que mon gars a fait que mon gars. Oh, je n'ai pas 18 ans. Oh, je n'ai pas 20 ans. Je n'ai pas 30 ans. Je ne parle pas de gars. Comme elle veut bien attirer tes oreilles, on entend maintenant mon compagnon. Il faut me dire merci, il t'enseigne beaucoup. Je t'enseigne. Parce que je t'écoutais parler avant. Ça laissait à désirer. Tu apprends beaucoup de moi. Beaucoup. La preuve, dès que j'ai terminé au direct, tu as lancé, tu m'as mentionné. Tu oses parler de mon vœu Yomi 2. Mon gars. Oh, mon gars a fait que. Mon mec a fait que. Tu m'as entendu parler ce discours. Hein? Quand je me vois, le seul femme qui n'a pas d'homme dans sa vie. On a venu faire la publicité sur Meta, vos conneries d'hommes là, c'est ça qu'on appelle les hommes. Hein? C'est ça qu'on appelle les hommes. Il n'est pas 30 ans. Je ne me mettrai jamais sur Meta. Commencer à chanter dans les micros, mon gars a fait que mon gars est monté, mon gars est descendu. Je fais l'apologie d'un homme qui ne fait jamais mes louanges. Ça n'arrive pas. Je fais pour toi, tu fais pour moi. Tu me valorises, te valorises. On voit monsieur me sent valoriser sa femme. On voit présent Ahmed valoriser sa femme. Montrez-nous les hommes qui vous valorisent. On voit Ahmed valoriser Madame Ahmed. Il donne envie d'être en couple. On voit Monsieur Messan valoriser Anne-Louise Basson. Je te salue Anne-Louise, ma big d'amour. On voit Monsieur Messan valoriser Madame Messan. Partout il passe, il mentionne sa femme. Il mentionne sa femme. À quel moment t'as valorisé? C'est en venant se lever devant toi pour aller causer avec les femmes. Et tu me dis qu'il veut ce genre de gars. Oh, je ne peux pas me mettre avec un gars pareil. Parce que la dentition pour moi de l'homme, ça compte. Oui, je m'embrasse, ma chérie. Je n'embrasse pas quatre dents. Quelqu'un qui n'a plus rien ici, là. Je ne gère pas ce genre de gars. Les gars violents qui vous frappent. Les gars qui vous frappent. Ils vous marquent. Ils laissent les marques sur vous. Je n'ai aucune marque sur mon corps venant d'un homme. Les seules marques sur mon corps, c'est le chien que j'ai eu chez moi. Je n'ai aucune marque sur mon corps venant d'un homme. Et ça n'arrivera jamais. Je n'ai aucune marque. Un homme ne va jamais marquer ce corps négativement. L'homme est là pour me caresser, pour me bisouter, ma chérie. Ma peau est faite pour chérir. Ma foi est faite pour caresser. Elle n'est pas faite pour gifler, brutaliser, donner les coups de poing, verser le caca, le Coca-Cola dans le dolin. Tu me parles de Thierry. Tu vas une invitation chez les gens. Il prend une bouteille de Coca-Cola. Il verse dans le dolet pour que, qui a été fait cuisiner pour recevoir les membres de la réunion. Il prend une bouteille de Coca. Il verse dans le dolet. Quel mépris. Thierry te méprise. M'allez pas. Thierry te méprise. Thierry te méprise. Oh, écoute-moi très bien. Il a plus de respect que moi, pour moi que toi. Parce qu'il est en face de lui, femme. Dans tout le sens du terme. Il est en face de lui, femme. Bipé la TK où il vient écouter ici. Parce qu'il les emmerde en passant. Thierry en face de lui, une femme. Dans tout le sens du terme. Il est en face de lui, une femme. Il te méprise, il a plus de respect que pour moi. Que toi. Mais il ne te le dit pas. Tu as compris? Un homme qui te repasse. Tu es obligé de te tatouer la peau pour cacher les cicatrices. Il a voulu te marquer à vie. Et il t'a marqué à vie.
Même si tu vas en couple avec quelqu'un d'autre, quand tu verras ce tatouage, tu penseras à lui. C'était l'objectif. C'est ça le pervers narcissique. Congo ça la fille, salut. Salut Dana. Le pervers narcissique veut te marquer à vie. Soit c'est psychologique, soit c'est physique. Mais généralement, c'est physique. Parce que psychologique, on peut t'amener, on peut t'accompagner par des experts à l'oublier. Mais physique, ça marque à vie. Le pervers narcissique te marque à vie. Quand tu prends ta douche, tu le vois avec tes cicatrices. Idiote. Quand je me déshabille, il n'y a aucune marque dans nos mains. Tu as compris? Quand je prends ma douche, je ne regarde pas le corps. Je dis que c'est l'homme qui m'avait fait ça. Ça, c'est Paul qui m'avait blessé ici. Ça, c'est Thierry qui m'avait fait. Là-bas, j'ai... Non! Non! Un homme ne me marque pas la peau. Jamais. Il t'a repassé. Tu es allé te tatouer. Pour te faire arrêter la cigarette, il te brûlait ici. Il brûlait les mégots de cigarette sur ta peau. C'est pour ça que tu es ici, là. Tu as les taches de mégots de cigarette. Il posait. Il arrache ta cigarette. Il pose sur ta peau. Connard, tu veux parler? Tu veux parler aux femmes? Tu veux parler aux femmes sur les réseaux sociaux? Un homme arrache la cigarette que tu fumes. Il éteint ça sur ta peau. Ça te laisse les taches. Ce que tu as ici, c'est ça. Pas quelque chose d'autre. Tu t'assois, tu veux narguer les fleurs de l'île. Narguer Lolo. Tu es qui? Oh, quand tu arrives devant ma cour, tu arrêtes tes conneries là. Fais ça là-bas. Mais quand tu arrives où il y a grève, un piaï, tu arrêtes ça vite. Mais je ne te loupe pas. Tu as compris? Ton corps est marqué à vie par les sévices des hommes. Tu les aimes. Ils te retournent la graine, la violence. Ils te marquent partout à vie. Regarde ma peau. Regarde-moi. Oh, oh, ici, ça va se le faire repasser. Regarde. Regarde. Tu es malade. Tu es folle. Les femmes battues qui viennent parler fort sur les réseaux sociaux, au lieu d'éduquer ces jeunes soeurs, dis non à la violence conjugale, te dépasse. Non à la violence conjugale, te dépasse. Tu ouvres ta bouche pour parler des trucs sans importance. Merci, Michael, Michel. Donc, on continue. Toutes les personnes qui sont en clash avec cette fille qui a insulté mon mari ici pendant des mois, qui m'a insulté pendant des mois, j'envoie les balles. Je dis, je vais vous donner un conseil, mes soeurs. Quand un homme ne vous a pas encore épousé, ne l'appelez jamais votre mari. Si un homme ne t'a pas amené à la mairie, ma soeur, écoute-moi très bien. Je ne suis pas jalouse. J'ai un homme valable. J'ai un homme valable. Quand il passe, il fait comme ça là. Parce qu'il sait m'honorer. Si c'est pour m'honorer là, si c'est pour m'honorer là, je suis comblée. Si un homme ne t'a jamais épousé, ne l'appelle pas ton mari. Demandez-moi pourquoi. Ne tuez pas vos bénédictions, ma soeur. Ne tuez pas vos bénédictions. Ne bloquez pas vos bénédictions. Tu es en couple avec un homme, ce n'est pas ton mari. Si tu dis ma femme, tu dis, monsieur, je ne suis pas ta femme. Oh, je ne suis pas ta femme, je suis ta compagne, je suis ta campagne, ta compagne, je suis ta partenaire. Parce que le vrai mari même que Dieu a réservé pour toi, tu es en train de bloquer ta bénédiction. Parce que tu es pressé. Tu es pressé, tu bloques ta bénédiction. C'est-à-dire que tu bloques, ce n'est même pas anticipé, tu bloques ta bénédiction. Didi, n'appelle jamais ton compagnon, ton mari. Demande toujours, Seigneur, envoie-moi mon mari. Si c'est lui, ça va se matérialiser par la mairie. Et ce n'est pas lui, il t'envoiera ton mari. Ce sont des perdus, ce sont des femmes. On les appelle comment? Les désespérés. Vous n'êtes pas de désespérés. Il y a 250 femmes qui me suivent. Personne n'est désespéré. Disons qu'il y a 250 femmes qui me suivent. Personne n'est désespéré. Ne montrez pas à l'homme que vous êtes désespéré. Mon compagnon n'est pas mon mari. Même quand il dit ma femme, il dit que tu n'es pas mon gars. Oh, m'appelle plus ta femme. Je suis encore en train de chercher le mari. Quand je prie, Seigneur, envoie-moi le bon mari. Envoie-moi. Tu bloques la porte à Dieu de t'envoyer le mari.
Petit a monté comme si le mari ici. Pourtant, ce n'est pas la bonne personne. La bonne personne est peut-être en train d'être matérialisée par Dieu. Mais toi, tu es en train de bloquer. N'appelez jamais vos compagnons, mon mari, pour vous faire voir que non, mon mari. Oh, ne vous souillez pas. Vous avez compris? Ne vous souillez pas. Oh non, ma femme, tu ne peux jamais entendre dans ma bouche. Jamais. Parce que je suis spirituellement, je me nourris des pains spirituels. Madame me sentit son mari parce qu'il est épousé. Madame me dit son mari parce qu'il est épousé. Sylvie Tenier dit son mari parce qu'elle est mariée. Moula Tombou dit son mari parce qu'elle est mariée. La Bordesse est mariée. La Bordesse est mariée. Vous restez à son mariage. Hein? Elle est mariée. Hein? Donc c'est un conseil que vous donne mes soeurs. N'appelez jamais votre compagnon, mon mari. Vous bloquez vos bénédictions. Vous pouvez faire 100 ans. Il ne va jamais vous épouser. Parce que ce n'est pas celui que Dieu avait prévu pour toi. Ce n'est pas la côte de ta côte. Ce n'est pas l'os de ton os. C'est ta chair. Ce n'est pas la chair de ta chair. Quand tu te lèves le matin, Seigneur, envoie-moi le bon mari. Il sait que tu es en couple. Mais tu dis, Seigneur, envoie-moi le bon mari. Ça peut être lui. Il écoute ta prière. Il débloque la situation. Seigneur, vraiment le bon mari, tu vas traverser la route, un homme te rencontre, il dit, ma chérie, je vais faire de toi ma femme. Tu vois qu'il blague. Donne-moi ton numéro. Prenez le numéro. On ne sait jamais. Ah, parce que je suis en couple, un gars qui t'a pas le numéro, tu veux épouser. On ne sait jamais. Prenez le numéro. Mais ne bindaillez pas. Mais prenez les numéros. Oh, parce que je dis, il y avait des problèmes. Ouais Seigneur, prenez les numéros. Ouais Seigneur, ma bouche si. Prenez les numéros, mais ne bindaillez pas. Mais qu'on ne vous empêche pas de prendre les numéros. Donne-moi ton numéro, ma chérie. Tu prends le numéro. Il écrit. Il te dit que ma chérie va t'épouser. Tu crois qu'il blague, ma, continue à répondre. Je vais t'épouser. Je vais t'épouser. Celui qui te paie le temps depuis 15 ans. Tu le bottes tes côtés. Comment ça, ma fille, j'ai tué. Je suis morte. Ouais, Seigneur. Ouais, j'ai fait fort. J'ai fait fort. J'ai fait fort. J'ai fait fort. Vous avez compris? Très vrai rêve. Merci beaucoup, Maka Makobe. Capobé. Ouais, j'ai tué. Merci beaucoup. Mais possible. J'ai fait fort. Même Michelin s'est retourné pour me louper. Et bien, je suis en train de gâter les choses ici. Moi-même, je dis mon mari et j'aime quand on drague. Moi-même, je dis mon mari et j'aime quand on drague. Non? Et qui? Merci beaucoup, ma soeur. Bijoux, salut. Salut, Didi. Je ne vois pas tout le monde, excusez-moi. Hein. Vraiment. Elle vient d'appeler Christelle, que tu es pour lui dire que si Maë va image et à la soirée, elle viendra parce qu'il n'a pas invité. De pleurs toujours. Ouais, ma taille est à côté, j'ai des problèmes. Les filles, on va quand même parler. Les filles, quand vous êtes en couple, ne dites jamais « Mon mari, mon mari, mon mari !» Maman, quelqu'un peut te croiser en route en disant « Non, ton mari, t'épouse. » Chez le prophète Jerry, il voit le mariage en 2 semaines. Hein? Marital, on dit comment en anglais? Marital blessing. Marital blessing, il voit ça tous les jours. Marital testimonies, je vois ça tous les jours. En 2 semaines, un homme te voit et t'épouse. Pourquoi? Parce que c'est la côte de ta côte. C'était l'os de ton os. C'était la chair de ta chair. C'était déjà dans les cieux. Tout était déjà uni. Ça ne complique pas. Dieu débloque tout. Même les finances. Donc prenez les numéros. Quand un gars dit ma soeur veut t'épouser, prends le numéro. Prends. Mais ne bille pas. Prends le numéro. Parce que celui qui est là avec toi qui dit que mon gars, mon chéri, mon gars, mon mari, maman, tu peux faire 10 ans, il ne t'épouse pas. Hein? Et tu as perdu plein de numéros.
Ce que je vois chez le pasteur Jerry, c'est ce que je veux aussi enseigner à ceux qui ne l'écoutent pas. Pour vous dire que ça arrive, tu peux rencontrer un homme en 3 semaines, il t'épouse. En 3 semaines. Il y a les femmes. Le pasteur Jerry a dit que allez dans les magasins de mariage, demandez à essayer une tenue. On appelle ça acte prophétique. Il dit, mes filles, vous qui m'écoutez, demain c'est lundi, allez entrer dans toutes les maisons là, les magasins de mariage, vous portez les tenues du front. Essayez. Entrez que madame, je vais me marier dans 2 semaines, je vais essayer une tenue. Les témoignages comme ça, que pasteur Jerry, oh, ce que tu as dit, oh, je suis allé à un mariage, j'ai rencontré un homme, 3 semaines on s'est marié. Ne me bindez pas seulement. La bordel s'est mariée. Elle est mariée. Peut-être qu'il va te pousser à me porter plainte pour te montrer que tu as traumatisé ma famille. C'est tout le monde qui va commenter. C'est tout le monde qui va témoigner. On dit que j'ai publié la nudité. Ouais. Elle ne m'a pas publié aussi nu. Là que je suis en soutien, ce n'est pas nu ça. Mais ça, c'est vous qui appelez ça nu. J'ai publié la nudité et si même, j'accepte même, dis donc, allez avec ça loin. J'ai peur. Pourquoi que vous dites? Voilà. Maléba Perpétue, l'ambassadrice de Gluta Cosmétique, l'ambassadrice humanitaire de Gluta Cosmétique, elle nous dit, elle confirme qu'elle a publié la nudité. Tu n'as rien fait. Si tu as tout, publie encore. Nous, on veut te voir publier la nudité là tout le temps. Tu as dit que tu as trop de balles, non? Tu as trop de vidéos, non? Publie. Continue de publier. Mais nous, on demande à ta patronne, Gluta Cosmétique, qu'est-ce qu'elle en pense? On demande à ta patronne si c'est ça, leur activité. Dans les clauses du contrat, est-ce qu'il est inscrit qu'il faut dénigrer la gente féminine? Est-ce qu'il faut dénigrer la gente féminine? Qu'est-ce que Glusa dit de ça? Quelle est sa réaction? Quel est son avis? Quels sont ses commentaires? Ton ambassadrice humanitaire en patence pour le Gabon, où il y a 2 premières dames intellectuellement assises, spirituellement calées, tu les amènes parler aux autres femmes. Tu amènes une femme qui dit en direct qu'elle a publié les fesses d'une autre femme. Tu l'amènes au Gabon pour s'adresser aux autres femmes gabonaises. Tu te montres des gabonaises. Tu l'amènes éduquer les femmes gabonaises. Vous allez éduquer les femmes gabonaises quand vous dénigrez la femme camerounaise. Gluta Cosmétique, tu amènes Maléba au Gabon, éduquer les femmes gabonaises. Quand vous dénigrez les femmes camerounaises, c'est quoi votre rôle au Gabon? C'est quoi votre rôle au Gabon? Dans le rôle de tes ambassadrices, le rôle de tes ambassadrices humanitaires, c'est publier, c'est clasher les gens, c'est publier la nudité des femmes. Parce que vous nous faites croire qu'on n'a pas d'éducation. Nous sommes mieux éduqués que vous. On n'a jamais entendu M. Messan au téléphone en train de dire à Rêve de partager le clash sur une page principale de Rêve. Jamais. Jamais. Donc, ceux qui parlent de pétition, ça ne me concerne pas. La concernée vit. Je ne parle pas de pétition. J'essaie d'éduquer, de sensibiliser à mon niveau. Donc, merci d'informer aux blogueurs gabonais qu'une femme est en détresse parce que l'ambassadrice humanitaire de Gluta Cosmétique a publié sa nudité et celle de son compagnon. Le gars était en train de se branler. Et la fille était en position levrette. Elle a publié. Moi, je travaille avec les médecins. Quand je veux dire un mot, je n'ai pas peur de le dire. C'est un mot français. C'est un mot français. Ça choque ceux qui font semblant de ne pas comprendre. C'est partout. Même à l'école, on apprend ça aux enfants. Donc. J'ai publié la nudité. J'ai publié et puis quoi? Et puis quoi? Et puis quoi? Pourquoi quand vous avez dit qu'elle a pleuré, on va pleurer? Hein? Vous croyez que j'ai peur de ça? On n'a jamais dit que tu as peur.
Même celle que tu as publiée n'est pas morte. On n'a pas dit que tu as peur. Moi, on vous montre au monde entier que non seulement tu es une illettrée, mais tu es une aigrie. On vous montre au monde entier que les gens que tu appelles bordel, c'est toi qui étais la vendeuse de piment au camion. C'est sur ma page, jusqu'à donner la marque de ton camion. Ta copine a donné la marque de ton camion. C'est posté sur ma page. Est-ce qu'on vous montre au monde entier? Nelly Panza, il faut dire à Claire Newman que la dame qui est en train de venir au Gabon avec son ambassadrice humanitaire, elle ne s'est pas offusquée. Dieu n'est que Gluta Cosmétique ne s'est pas offusquée. Au contraire, elle encourage à clasher. On ne t'a pas demandé de regretter. Tu ne regrettes pas tes actes. Mais nous, on fait un travail. Notre travail, ma chérie, n'est pas un travail stérile. Ce qu'on fait paye. C'est ça que tu n'as plus de gens sûrs autour de toi. Ce qu'on fait n'est pas un travail stérile. Crois-moi. Les gens ont l'impression qu'on part dans le vide, mais je vois les résultats. Maléba, je vois les résultats. Je vois les résultats de ce qu'on est en train de décrier sur les réseaux sociaux. On n'a pas besoin que tu aies des remords. On n'a pas besoin de pleurer. La preuve, la concernée vit, elle est debout. Claire Newman doit savoir que l'ambassadrice humanitaire de Gluta Cosmétique a publié la nudité d'une femme. Même Adam et Ève ont eu honte quand le Seigneur a apparu. Ils se sont cachés. Ils ont protégé leur nudité. Même une fille de 5 ans, quand elle prend sa douche et qu'on ouvre, elle se protège d'abord en bas. Elle cache d'abord sa nudité. Même les garçons, quand tu le supprimes, il a tout tendance à cacher sa nudité. Mais Maléba Perpétue a montré ça en direct devant plus de 500 personnes. Merci beaucoup Victorine. Devant plus de 500 personnes, elle a montré la nudité de sa soeur camerounaise, sa compatriote. Donc ce n'est pas un travail stérile. On ne prêche pas au désert, parce que les gens commencent à comprendre qui est exactement Maléba Perpétue. Et j'applaudis. Les gens comprennent. Et tu sais que les gens comprennent. Ta belle famille, la famille de Thierry, voilà votre femme, soi-disant, puisqu'elle dit qu'elle est votre femme. On vous la donne. Voilà votre femme qui publie une femme. Elle m'a publié, c'est moi qui ai été publiée. Elle est peut-être elle joue avec ce qu'on appelle la dignité des femmes, mais nous, on ne joue pas avec. Peut-être pour elle, publier leur cœur, c'est un jeu. Pour nous, ce n'est pas un jeu. Pour nous, ce n'est pas un jeu. Madame Gluta Cosmétique, si tu n'es pas responsable des actes de ton égérie, tu la licencies. Tu résilies le contrat. Si tu n'es pas responsable de ces actes, tu résilies le contrat, tout simplement. Pour nous montrer ton professionnalisme, c'est de résilier le contrat. Tu parles là. Et d'éloigner ton image, de détacher de cette femme. Ouais. C'est ça, si tu n'es pas responsable. Tu te détaches complètement. Tu ne colles plus ton image à elle. Tu ne colles plus ton image à elle. Elle ne partage même plus tes directs. Parce que la chute de ton entreprise, c'est elle. Aucun homme, aucune femme ne peut tolérer ça. Le partage de la nudité d'une femme. Le partage du corps du copain de Ndolo. Oui. Le partage du corps, c'est ça Talita. Donc, elle n'a pas dit qu'elle n'est pas responsable de son énergie. Madame, ça tâche ton entreprise. Tu t'associes à la merde. Elle a fait de reconnaître. Elle a fait de reconnaître quoi? Elle a de reconnaître. C'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Elle est en train de tâcher son entreprise. C'est la vérité qu'on lui dit. Celui qui dira le contraire ne l'aime pas. On ne s'associe pas à la merde pour vendre, mon frère. Je vends les boubous. Ma chérie, quand je porte, on a le goût d'acheter. Mais si
si j'ai une entreprise, je fais attention. Ça, ce n'est pas une entreprise. Je fais le bam, c'est l'âme. Je fais du bam, c'est l'âme. Quand tu as une entreprise, attention, ce n'est plus le jeu. Tu ne peux pas amener une femme aussi sale au Gabon. La saleté, c'est quoi? Elle a exposé le corps de la femme. Elle a exposé le corps de la femme. Ce n'est pas de l'acharnement. Ce n'est pas de l'acharnement. Parce que les Camerounais n'aiment pas écouter la vérité. Ce n'est pas de l'acharnement. Une femme a été exposée comme ça. Buta, elle était comme ça. Son mari était debout, il se branlait. Donc, il y a, non? Tu as compris? Il se tout mange. C'est trop. Ça ne se fait pas. Peut-être ces dames négligent parce qu'elles sont habituées à jouer avec leur corps. Mais nous, les femmes nobles, on n'accepte pas ça. Nous, les femmes nobles, qu'avant qu'un homme ne nous touche, on réfléchit, on ne se donne pas à tout le monde. On n'accepte pas ça. Les femmes nobles qui me regardent, on n'accepte pas ça. Pour nous, c'est le summum de la méchanceté. C'est l'acmé de la méchanceté. Tu ne peux pas l'amener au Gabon. Oui. Nous, on va crier. On va citer top talent. Après, c'est Gouta Cosmétique. Porte-nous plainte. Tu as l'aval. Porte la voix libre. C'est pas possible. Elle a fait cette vidéo devant plus de 500 personnes. Louise Dolobis est une femme. Elle ne peut pas accepter qu'une autre femme publie une femme. Nous, on ne se déshabille pas. On s'habille, on se déshabille. On s'habille, on se déshabille. On s'habille, on se déshabille devant les hommes. Non. On dit non. Même les blogueurs gabonais ne peuvent pas accepter qu'une femme publie la nudité d'une autre femme à cause des clashs des réseaux sociaux. Juste à cause des clashs. Gueux, tu as publié mon compagnie, mon gars. Quel gars? Quel gars? Tu as sali Thierry sur les réseaux sociaux. Tu as sali Thierry. Tu as sali la famille de Thierry sur les réseaux sociaux. Il s'est mis en couple avec la mauvaise personne. Quand il était avec Tatiana, il n'avait pas cette vie de merde. Tu as compris? Quand il était avec Tatiana, il n'avait pas cette vie de merde. Tu as sali Thierry sur les réseaux sociaux. Quand on le croise en route, il a honte. Il passe tout petit. On m'a dit, il est tout honteux. C'est toi qui l'as sali. C'est toi qui es venu nous dire que tu l'as aidé financièrement. C'est toi qui nous as dit que c'est un gigolo. C'est pas nous. On n'est pas venu, on n'a pas inventé. On ne prend que ce que tu nous racontes. C'est toi qui nous as dit que c'est un bordel. C'est toi qui nous as dit qu'il te frappe. Tu as sali Thierry. Il y a des secrets qu'on garde à la maison. Il y a les secrets qu'on garde à la maison, on garde en famille. On a les secrets familiaux que s'ils ne sortent jamais. On garde dans le ventre. Mais tu es venu exposer Thierry sur les réseaux sociaux. Il a fait le mauvais choix. Le choix du ventre, pas le choix du cerveau. Et il est temps pour lui de se ressaisir. De te zapper. Depuis les années que vous publiez les nudités des gens ici là, ça dépasse de publier une maman. Ça dépasse de publier une maman. La belle qui boit. Publier la nudité. Je le publie si elle veut. Ce n'est pas que Facebook avait les conditions, j'allais vraiment publier ça. Que elle me sert à quoi? Il me sert à quoi? Ne paye plus mon loyer. Ne me massez plus le dos. L'autre là-bas avec sa voix de crapaud. La bordesse, il dit que ne paye plus mon loyer. Maléba, tu payes ton loyer. Tu payes ton loyer. Tu payes ton loyer. Une assistée comme toi. Tu payes ton loyer. Non, si j'avais moyen de publier que Facebook bloque, oh, publie même un faux profil, on voit. Tu as un gars qui a le gros cœur, publie un faux profil, on voit.
me lance, crée une page juste pour publier ça. Après, tu la refermes. Crée une page juste pour publier. Après, tu refermes la page. Ça te dit bien, moi? Oui. Je vais ajouter un peu d'eau. C'est bon. Je te l'ouvre. Pour moi, j'aime pas quand c'est trop, mais elle aime quand c'est brillant. Quand c'est trop. C'est donc cuit. Crée même une page. C'est donc cuit, ma. Crée une page. Tu publies et tu la refermes. Même si on signale. Le bruit dans zéro. C'est vous qui payez mon loyer. Tu payes le loyer. Tu travailles où? Vous touchez quoi? On touche quoi ici? C'est ceux qui ne travaillent pas. La CAF, non. Une assistée du RSA. Une assistée du RSA. On te voit t'allier là-bas à Rouen tout le temps. Tu fais le rang. On te voit faire le rang là-bas tout le temps. Tu dis que quoi? Que tu payes le loyer. Tu veux payer le loyer? Oui, ça va comme ça. Oh, attention. Tu payes le loyer? Tu as payé le loyer un jour en France? Tu es la maison pour la première fois après 20 ans en France, à Rouen. Tu as la maison à ton nom pour la toute première fois après 20 ans en France à Rouen. Avant Rouen, tu n'avais pas de maison à ton nom. Tu vivais sous location. Rêve, ces grandes dames gabonaises devraient être en possession des vidéos de nudité. Enfin, on va envoyer tout ça. Tu vas continuer ça où? Ici. Hein? Une assistée du RSA? Tu travailles où? Tu payes ton loyer où? Ah, la Big Mac, il va envoyer. Tu payes le loyer où? Tu as payé le loyer où en France? Hein? Tu as escroqué à gauche, à droite pour meubler ta maison. Tu as escroqué Achille. Tu as escroqué ta patronne pour meubler ton appartement. Tu as payé quoi? C'est qui ça encore? Ouais, j'ai mis le haut-parleur. On fait la pétition. Je le promis, si elle veut. Ce n'est pas que Facebook avait les conditions, j'allais vraiment publier ça. Que elle me sert à quoi? Il me sert à quoi? Elle ne paye plus mon loyer. Elle me masse plus le dos. Qui masse ton dos? Qui masse ton dos? On masse ton dos pendant qu'il a bivé à binda une autre femme. Il t'humilie devant une femme. On masse mon dos. Je paye mon dos. Tu payes le loyer. Tu travailles où? Tu travailles où? L'autre là-bas avec sa voix de crapaud. On va faire la pétition. On va faire la pétition. Tu n'as pas fait la pétition, on a mis le clé. On a mis les clés. L'axe le doigt là, Yaoundé, là, tu n'as pas fait une pétition. Ma chérie, la bordel de Rouen, Maléba, je n'ai jamais demandé qu'on fasse une pétition. Tu ne sais pas lire. Donc ça, tu as trouvé la mauvaise information. Tu as toujours la mauvaise information. Père, tu ne sais pas lire. Je n'ai jamais parlé de pétition. Je parle de pétition, pourquoi? On a publié ma soeur. Elle était plus belle fois que toi. Père, quand je vois tes doigts, je n'ai pas envie de penser en bas. Si tes doigts, c'est la partie du corps où on peut facilement nettoyer, ressemble à ce que j'ai vu là, je n'ai pas pensé au bas. Si ton ventre ressemble à ce que j'ai vu en direct une fois, je n'ai pas pensé, je n'ai pas envie de penser à quoi ressemble ton bas. Quand je regarde ta peau, qui est toute abîmée, je n'ai pas envie de penser en bas à quoi ça peut ressembler. Ma chérie, on a vu le corps de ma soeur, c'était propre. Ce n'est pas le bébé. Ce n'est pas le bébé. Tu le fais quoi, Michela? Oui. Mais après, fini d'abord. On fait une combien de fois? Tu vas aller dormir. Je vais dormir. Sinon, tu pourras plus te lever. On a vu le corps. Oui. Parce qu'une femme jalouse l'a publié. Une femme comme toi l'a publié. Parce qu'elle était jalouse. C'était beau. C'était propre. Tes doigts. Parce que tout le monde peut nettoyer les doigts. Quand je vois tes doigts, à quoi ça ressemble? Je vois ta peau, à quoi ça ressemble? Je n'ai pas envie de penser en bas. Tu es sale. Tu as gâté ta peau. Tu as gâté ta peau. Je vais envoyer à elle.
Tu as gâté ta peau. Je n'ai pas envie de penser en bas à quoi ça ressemble. Quand j'ai vu l'état de ton ventre, une fois en direct, j'ai les photos dans mon téléphone. J'ai vu l'état de ton ventre. Tu peux pas te comparer à Loulou. Tu ne peux pas. Ta photo où tu es en train de gâter dans ton camion rouge. Nous, on ne publie pas les femmes. C'est sale. Dans un minable camion rouge avec les rideaux blancs. Les rideaux blancs, un minable camion rouge, les pieds en l'air. Tu es un bordel. Mais non, ne publie pas les femmes. Tu as compris? Je n'ai pas envie de penser à ton ventre. Quand je vois ton ventre, je n'ai pas envie de penser en bas. Ma soeur. Bleh. Ivana. Bleh. Je n'ai pas envie de penser. Quand on nous regarde, la peau est uniforme. Le teint est uniforme. C'est uniforme de la tête aux pieds. On peut lever la main comme ça. On peut faire tout ce qu'on veut. C'est uniforme. Je n'ai pas envie de penser à ton bas. Tu es sale. Tu as gâté ta peau. Avec les produits moins chers. Tu es léger. Tu ne costes pas. Du costes garnish. Tu n'es rien. Je n'ai jamais demandé une pétition. J'ai dit à ta patronne de t'offusquer. Si elle a compris mon conseil, c'est bon. C'était l'objectif. C'était l'objectif. Toi-même, jamais de ta race, te gère pas. Elle n'a pas encore la récupérée. C'était l'objectif. Elle n'a pas envie de penser, Maléba, quand je vois l'état de ton visage. Tu me costes. Donc, si elle a compris, on s'attaque maintenant à toi. On s'attaque à toi. Vous avez compris, non? Elle a dit quoi, mais tu as l'énergie. J'aime trop celle-là. Tu l'aimes beaucoup. Tout ça parce que vous voulez que je continue à faire du sale. Oh, écoutez-moi la bêtise. Je ne fais pas ce combat. Ceux qui t'ont transmis la nouvelle, c'est Boum Kena. Elle n'a pas le CEP. Elle ne m'a pas compris. Elle n'a pas le CEP. Elle ne peut pas me comprendre. Si c'est Melounou, Melounou n'a pas le CEP. Ils t'ont transmis. C'est une désinformation. Tu as reçu une désinformation. Mon combat n'est pas celui de Dolo Moulema. Elle a une famille. Mais je parle pour toutes les femmes. Et elle est aussi inclue. Mais ce n'est pas mon combat principal. Elle n'est pas dans le mouvement. Tu as reçu la désinformation. Quand tu es entouré d'illettrés, de bêtes, ce n'est pas dans le combat. C'est le combat pour Linares. Je combats pour Véronique Mars. Je combats pour Yael. Je combats pour Lolo Fodja. Lolo Mbiaye, pardon. Lolo Fodja, elle m'en fout. Je combats pour Nelly Panza. Pour Sabrina Kadji. Je combats pour Lumoise. Je combats pour Rosalie. Je ne combats pas que pour Dolo Moulema. Oh, allez bien lui expliquer parce qu'elle ne sait pas lire. Allez lui dire que je n'ai pas créé de pétition. Allez lui dire que mon combat n'est pas celui de Dolo Moulema. Non, je ne suis pas là pour soutenir seulement Dolo Moulema. Elle est dans le combat. Je soutiens les femmes. Je dénonce pour les femmes. Je m'en fous d'elle. Je dénonce pour les femmes. Je dénonce pour les femmes qui me suivent. Vous avez compris? Je combats pour Marley Seng, pour Angry Bank, pour Blanche Aimé, petite bordel, idiote. Tu n'as pas compris? Oh, entoure-toi des femmes qui ont la tête. Les Awa, les Boum Kena, on appelle ça comment? La nourriture, les Bassas, là. Elles te servent à quoi? Pour t'embrouiller, te dire que tu es diamant bleu. Et tu crois? Franchement, quand tu te regardes, tu ressembles à un diamant bleu. Il y a les non-quins. Tu déposes. Tu comprends que ces femmes-ci veulent juste m'embrouiller. Quand tu te regardes. Tu as compris? Donc, c'est ça notre combat. Ben, quand tu me parles, moi, ça m'énerve et j'ai envie de partager ça dans mon inbox. Non, ne t'énerve pas. Partage. Oh, petite idiote, partage. C'est ce qu'on veut. On veut que tu partages. Tu as dit que tu peux, non? Pourquoi tu commences à faire que tu as envie, quand tu m'énerves, tu as me fait que j'ai envie de partager. Partage tout! Partage tout! On t'arrête pas. Tu t'arrêtes à voir comment? Tu as commencé, tu freines.
Maléba Perpétue, tu as publié la nudité d'un homme et d'une femme. Continue. Donc, ta bec à bec. Donc, tu veux que tu sois ma nudité, je vais te supplier. Je vais te clasher avec ma nudité en main. Je t'insulte propre. Même avec ma nudité en main, je te lave. Je t'emmerde avec. Parce que je ne sers d'aucun chantage. La seule personne qui me fait chanter, c'est mon créateur. Partage. Tu te retiens encore pourquoi? Elle est comme ça d'Afrique. Hein? Tu fais genre, tu l'aimes trop. Mais je viens la danser, non, elle a dit qu'elle a pour moi, non, elle aussi mettre pour moi. Ça dépasse quand elle était couchée sur le lit d'hôpital, vous êtes venu me publier. Ça dépasse. Personne ne t'a publié sur ton lit d'hôpital. Tu trompais Thierry avec Achille. Tu as appelé l'ami d'Achille. Il est venu te rendre visite à l'hôpital. Personne ne t'a publié. Tu n'étais pas importante. Ça dépasse. Publier la nudité d'une femme dépasse publier une femme alitée. Ça dépasse. Publier la nudité d'une femme, c'est un crime. C'est un crime. Publier la nudité d'une femme, c'est un crime. Ça dépasse publier une femme alitée. Qui te calcule? Vous êtes venu me publier. Tu trompais Thierry avec Achille Dicolo. Oui. Parce qu'il te donnait de l'argent. Est-ce que tu ne l'as pas dit? Tu trompais Thierry avec Achille à une époque. Et tu le sais. Parce qu'Achille voulait voir si Thierry avait vraiment le poids, comme on dit. Quand tu es tombé, il a compris que tu n'aimes pas ta conviction. Il t'a binda pendant que tu t'avais tiré. Il a compris que tu n'es pas... Il voulait voir vraiment si ce gars, tu l'aimais vraiment. Mais il s'est rendu compte que non. Tu l'aimes, mais n'a pas l'argent. Achille a commencé à t'envoyer les 350 euros. Les 500 euros. Quand ta famille appelle, tu leur demandes qu'appeler Achille, non. Ta famille appelle, tu les envoies chez Achille. C'est pour ça qu'il entre en contact avec toi. Après, il s'est lassé de toi. Il s'est lassé de toi. Tu n'aurais pas dû céder. L'idiot vient me parler. Tu es malade. Hein? Tu veux me parler? Publie! Termine le travail. Le président Obama a dit que we must finish the work. We must finish the work. Finis le travail. Tu as commencé, termine. Termine. On l'a appelé que monsieur le président. Ce que vous faites en Libye là, c'est un danger. Monsieur le président Obama, ce que vous faites en Libye, c'est un danger là et qu'on va finir le travail. Donc termine. Personne ne te retient. Personne ne te supplie. Moi, on veut que le monde entier sache que quand tu manques d'arguments pour clasher, tu publies une nudité. C'était pour Kadhafi. Non, c'était pour Kadhafi. C'était pour Kadhafi. C'était pour Kadhafi. Je ne sais plus le président africain qui avait appelé ça à Obama. C'était Obama, le pauvre. Il a dit, monsieur le président, ce que vous faites en Libye, c'est tout le Sahel qui sera déstabilisé. Il a dit au président là que on va terminer le work. On a commencé, on va terminer. On veut montrer au monde entier qui tu es, ta vraie personnalité, l'aigreur. C'est ce qu'on veut montrer au monde. Et ça paye. Ça paye. Plus on se répète, plus les gens comprennent qui tu es. Ils ont peur. Ils sont avec toi, mais ils se méfient. Même la gluta, elle se méfie qu'elle est avec toi. Ne crois pas. Elle est avec toi, elle ne s'oublie pas. Elle se méfie. Parce que tu vas faire X, Y, Z, tu feras gluta. Elle se méfie. Elle ne laisse aucune balle. Tu as compris? Donc, publie. Continue, publie, partage. Tu as commencé. Elle a deux sexes. Oh, donne la deux sexes. Tu as publié le sexe, non? Ou bien c'est un autre sexe, tu vas encore publier. C'est pas la même chose. Ou bien l'autre a une couleur jaune.
ou bien elle, c'est rouge, c'est le même sexe, donc on continue. Regardez-moi la bordelle qui vient de parler aux gens. J'ai même pas ouvert la bouche, j'ai pissé le sang comme vous dites. J'étais couché là pour me publier. Ça n'est pas ça. Vous oubliez trop vite, hein. Vous oubliez vite. Mais le problème, c'est que moi, j'ai le comprimé. Ouais, et pas si. Elle est en train de finir avec elle comment? Elle dit quoi, et pas si? Coucou, Dol, c'est Tchinga. Elle finit comment, Christian Dior? Coucou, elle fait ma fauchou. Coucou, Nathalie. Elle finit comment? Comprimé, perpétue Maléma. Moi, quand ça, on m'atomise, j'avale ça. J'attends le jour que j'ai l'occasion. Je tue à Marielle. Tu as tué qui on a vu. Tu as déjà tué qui on a vu. Tu es l'ombre de toi-même. On a vu que tu allais finir avec me sang. Moi, on le voit tout debout, Nyanga. Le deuil, c'est maniaque à ma bobé. J'ai dit, venez voir. On voit une famille unie, les enfants sont beaux, les oncles, les tantes, tous sont beaux. Où est ta famille? Tu as fini avec qui on a vu? On a vu monsieur, mais c'est avec Guylaine. Ils sont là-bas au pays, en train de boire les ruinards. Le long au deuil, au mariage, avec sa soeur, la yam soeur, tu as fini avec qui? Toi, tu as envie de porter une robe bleue, le foulard bleu, les lunettes bizarres. Tu as fini avec qui, Maléba? Maléba, tu as fini avec qui? Tu es en bleu. De la tête aux pieds, les yamsers sont en couleur d'été. Elles brillent. Monsieur me sent. Et avec sa soeur, la Guigui, et son épouse, ils sont au deuil. Mais tout en beauté. Rêve bien habillé en vert. Tout en beauté. Tu as fini avec qui? Tu as fait quoi? Nadine Mbappé, après rénovation de son appartement, tu as fini avec qui? On a vu sur les réseaux sociaux. Tu as fabriqué qui? Montre-nous ta fabrication. C'est qui? Que je tire. Hein? Tu as fini avec qui? Quand? Qui pleure face à toi? Et que tu es plus légère que ça? Tu peux faire quoi à qui? Que Gluta fait quoi? Hein? Je suis en direct. Elle a dit quoi? J'attends les coupures. Les zobanga comme ça, dis donc. Faites la pétition, vous me donnez aussi, je publie ça sur ma page. Bande de ce que je pense. Le problème, c'est que quand vous voulez faire. Elle a dit que Devin Bier devait s'indigner. Madeleine, elle a dit que Gluta a dit que Devin Bier devait s'indigner lorsque papa me sent avait envoyé les gens taper sur sa main. N'importe quoi. Rien, on n'a pas eu de preuves. On n'a pas eu de preuves tangibles. Mais elle a montré la dignité d'une femme. Je ne suis pas en direct, je sais comment elle est ici, la Victorine. Elle a montré la dignité. La dignité d'une femme, c'est sa dignité. Gluta cosmétique. Elle a montré ta nudité. En Mondo Vision. C'est ta nudité. Tu as compris? Donc vous voulez comparer les comparables. Vous voulez comparer les comparables. Lève-toi pour la femme, Gluta cosmétique. Amélie, lève-toi pour la femme que tu es. Lève-toi pour la mère que tu es. Lève-toi pour la mère. Je ne te lève pas pour des personnes. Je ne suis pas debout pour une personne. Je suis debout pour la femme. Allez dire ça, mais peut-être ne comprend pas bien. Allez lui expliquer. Je ne suis pas debout pour une personne physique. Je suis debout pour la femme avec grand F, qui est la mère de l'humanité. Allez lui dire, elle n'a pas bien compris. Hein, bête, il vêtue depuis dans ma soeur. Tu n'as pas honte? Amélie, tu n'as pas honte? Hein? Tu dis que je défends une personne, je ne défends pas Dolo. Je défends toutes les femmes, Dolo inclus. Je défends toutes les femmes, Dolo inclus. Vous allez enseigner quoi la jeunesse de l'Ipanza? Amélie de Gluta Cosmétique, qu'est-ce que tu vas enseigner au Gabon avec une femme qui publie une autre femme? Les fesses sont dehors.
Tu vas enseigner quoi au Gabon? Tu habilles au Gabon. Tu vas porter soit une robe, une jupe, une salopette, un jumpsuit, je ne sais pas. Mais ta nudité a été affichée. Pas ton ambassadrice humanité. Tu vas enseigner quoi au Gabon? Tu as regardé les premières dames du Gabon? Tu as regardé les blogueuses gabonaises? Tu as regardé Tata Henriette, si c'est Tata qui l'a? Tu les as regardées, les blogueuses gabonaises? Tu vas enseigner quoi au Gabon? Hein? Je défends la femme, dono inclus. C'est ton ambassadrice humanitaire. Elle a sali ton entreprise. Ce geste-là salit ton entreprise. Ternit l'image de marque de ton entreprise. Tu veux me parler? Tu as regardé les blogueuses gabonaises? Regarde les blogueuses gabonaises. Tu as déjà vu à mon chic, c'est-à-dire que exposer une femme, merci, ma tata Huguette, tu as vu à mon chic parler de la nudité d'une femme. Est-ce que tu vas amener au Gabon? Est-ce que tu vas amener en Côte d'Ivoire? Tous les Ivoiriens se seraient levés pour dire non. Donc ce que tu fais au Cameroun avec ton machin-ci, Amélie, ton machin-ci, n'amène pas ça en Côte d'Ivoire. Ça sera mort pour toi. Contrairement à nous les Camerounais, tous les Ivoiriens allaient se lever. Qu'on ne publie pas la femme. Si c'était moi, peut-être que l'on ne se serait pas levé. Mais peut-être Anne Basson se serait levée. Peut-être Nelly Panza se serait levée parce qu'elles connaissent mon combat. Peut-être Mouna Tombou se serait levée. Regarde les activistes blogueuses gabonaises, comment elles sont pétillantes, intelligentes. Claire Newman, tu sais qu'elles peuvent permettre ça. Elles peuvent permettre ça. Les activistes, les blogueuses gabonaises, regarde à quoi elles ressemblent. On va leur envoyer la vidéo là. Ouais. On va leur envoyer ça. Tu ne peux pas te permettre d'amener une femme qui humilie la femme. Une soi-disant vente privée. Même Dieu ne peut pas bénir. Même Dieu ne pourra pas bénir. Rêve, il fallait parler quand le sang envoyait qu'on tape le gars. On parle ici de la femme. On parle du corps de la femme qui pousse et qui enfante. On parle du corps de la femme qui pousse et qui enfante les présidents. Du corps de la femme qui pousse, qui enfante les ministres, les docteurs, les ingénieurs, les banquiers, les commerciaux, les médecins. C'est de ce corps qu'on parle. On ne parle pas de recourir à deux balles, Amélie. Oh, rehausse le débat. Rehausse le débat. Sors de la boue. Oh, Amélie, sors de la boue. On parle ici d'une femme, la mère de l'humanité. La femme qui t'a enfantée, qui a poussé pour que tu sors, c'est d'elle que je parle. La femme qui a poussé pour que moi je sorte, c'est d'elle que je parle. Ne me porte pas les débats du quartier. Oh, upgrade. Upgrade. Tu comprends quoi? Ne ramène pas ça en dos. Tu comprends quoi? Tu es sérieuse? Tu es sérieuse? Oh, on m'avait publié à l'hôpital. Oh, on m'avait envoyé, tu es un enfant. Oh, on m'avait envoyé. Oh, c'est de ça qu'il s'agit. C'est ta marque qui est tachée. Voilà. Écoutons la Wakasi. Il ne faut pas insulter. Il ne faut pas insulter. Soyez neutre, soyez, t'as dit, soyez la personne qui n'a jamais insulté quelqu'un sur la toile. Toi, la bleue, qui a la voix de crapaud là, qui rêve d'avoir un gars comme mon gars sur son lit. Pendant combien de temps ici, toi, tu as insulté mon mec, sans qu'il ne t'ait rien fait? Pendant combien de temps tu as insulté ce gars? Chérie, vous l'avez entendu? Chérie, je t'emmerde. Tu as compris? Chérie, je t'emmerde à manger mon cuit. Au bout de quoi?
Je t'emmerde. Tu sais pourquoi je t'emmerde? Tu sais pourquoi je t'emmerde? Parce qu'aucun moment, tu n'as stoppé ton idiot de compagne à s'attaquer à moi, à mon père, à ma mère. Au contraire, tu as administré sa page. Oh, je te regarde dans les yeux et te dis je t'emmerde. Tu as compris? Je te regarde dans les yeux et je te dis je t'emmerde. Je ne publie pas la nudité de la femme. C'est le summum, l'acmé de la méchanceté. Tu as compris? Tu dis que je vais avoir un gars comme ton mec. Oh, je vais avoir un gars comme ton mec. Je n'ai même pas envie de revenir là-dessus. C'est tout mon parcours d'homme. Personne ne ressemble à ton mec. Personne ne ressemble à ton mec. Tu as compris? Dans l'esprit, dans ta tête, c'est tout le monde qui veut ton mec, sauf Rêve Mbiaï. Dans ta tête, c'est tout le monde qui veut vos mecs, sauf Rêve Mbiaï. J'ai un prototype. D'accord? J'ai un style d'homme. Je ne me vante pas, mieux reste seul. Je ne suis pas affamé du sel. Je n'ai pas peur de la solitude comme toi. Tu sors d'une relation, tu entres dans une autre sans faire de pause. Je ne veux pas un mec qui me repasse. Je ne veux pas un mec qui me brûle avec les mégots de cigarette. Je ne veux pas un mec qui me trompe avec son ex-copine. Je ne veux pas un mec qui verse le Coca-Cola dans le dolet des étrangers. Je ne veux pas un baba. Je ne veux pas d'un baba. Ton mec ne donne pas envie de se mettre en couple avec lui. D'accord? D'accord? Oh, est-ce que c'est... Tiens, c'est entré là. Donc ne parle plus jamais de ça. Ton mec ne donne pas envie. Je veux pas un mec qui est mort, qui croque les femmes. Parce qu'il a croqué Tatiana. Jusqu'ils sont allés à la police. Croqué. Ah, je veux pas le genre là. Le cannibale. C'est un cannibale. Je veux pas du genre là. Nous on veut des mecs doux. Ouais, les hommes qui nous caressent. Les hommes qui nous élèvent. Il t'a élevé quoi? Depuis que tu avais lui, tu as eu quoi? Tu as eu quoi? Imbécile, que tu as insulté mon mec. Oh Thierry, je te regarde dans les yeux avant de t'emmerder. Proprement. Je n'ai pas peur, même en face. Avant de t'emmerder, te regarde dans les yeux, tu as fait le mauvais choix. Tu as fait le mauvais choix. Tu as fait le mauvais choix. Parce que tu étais administrateur de sa page. Quand elle nous insulte, ça veut dire que tu nous insultes. Je répète, je n'ai pas besoin d'un mec qui me repassera comme tu repasses Ngossa. Maléba, je n'ai pas besoin d'un homme qui a croqué Tatiana. Jusqu'à ils sont là à la police, on les a entendus. Il a croqué. Ah, je n'ai pas besoin d'un mec. Je n'ai pas besoin d'un mec qui me brûle avec les mégots de cigarette. D'accord? J'ai pas besoin d'un mec qui verse le ndolet dans une grosse le Coca-Cola dans une grosse marmite de ndolet. Quand j'attends mes amis, je prépare du ndolet, ils s'énervent, ils versent le Coca-Cola dans toute la marmite. J'ai pas besoin d'un psychopathe. J'ai pas besoin d'un psychopathe. D'accord? Hein? Tu as compris? Mon mec, il est où? Il est où? Je le vois pas. Je le cherche. Je le vois pas. Quand je guette le critère 6-0, je guette l'autre critère 0, je guette le. Hé! Fais ça. Dégage. Elle me dirait pour dire que. Oh, jamais. Je lui donne le compliment, Maléba perpétue. Il boit, il dort. Ciao, Bruno. Hein? Est-ce que je mens? F pour ma feu chou. Les hommes qui t'insultent avec. Oh, vous avez les liesses d'argent au visage. L'argent même il n'a pas. Il a croqué Tatiana. Croqué, hein? Ils sont allés à la police, on a fait déposition. C'est vous qui aimez les hommes qui vous maltraitent. Tu aimes les hommes qui te maltraitent. Moi, non. Ta peau s'ouvre. Ton corps est rempli de sévices de tes compagnons. Moi, non. Un homme qui prend une bouteille de Coca-Cola, il verse dans le ndolet qu'on a préparé pour les étrangers. Il verse le Coca-Cola dedans. Tu me dis que je vais tomber. Tu es malade. Il me met avec lui. Soit il meurt, soit il gagne. Ça va exploser.
Est-ce qu'il peut avoir dragué les filles comme nous? Qu'on parle là, un pervers narcissique peut m'approcher. Il ne craint que les petites vulnérables, les vous là. Un pervers narcissique peut m'approcher. Il prend le coca qu'on lui verse dans le dolet. Je porte la ramille, il verse sa tête. On gâte tout à la maison. Mon dolet, tu verses le Coca-Cola. Je prends la ramille du tarot, il met sur ta tête. On gâte tout. Il a croqué, je ne mens pas si je mens. Il a croqué Tatiana avec les dents. Il sera la police. On a vu les marques sur le corps de Tatiana. Quand ça le dépasse, il prend les dents. Tu me parles, tiens, c'est un gars ça. Il a croqué Tatiana. Il se voit la police de position. Il te dit, tu as versé le coca dans mon dolet. Tu as versé le coca. Je prends la mamie de ta main, mets sur sa tête. On gâte tout. Tu as bien un dolet. Tu as un dolet à gâter. Tu as gâté mon dolet. Tu as gâté mon dolet. La voix de crapaud. Oh, la voix de crapaud. C'est ça mon charme. Mamie de dolet comme ça, qu'on a fait pour les étrangers. Elle est un peu énervée. Il a pris le coca, il a fait un brou. Il versait. Tu le regardais. Moi, tu fais ça. Je cherche la ramie de la sauce tomate, la ramie du tarot. Je porte et mets sur ta tête. Je verse ça sur toi. Oh. N'allez pas faire comme moi. Hein. Moi, c'est 5 minutes de folie. Tu me parles d'un mec qui croque les femmes. C'est elle qui t'a humilié sur les réseaux sociaux, Thierry. Ce n'est pas moi. Je me défends. J'ai le droit de me défendre. Tatiana a les sévices sur le corps, c'est toi, c'est pas moi. Toutes les taches qu'elle a sur le corps, c'est toi. Une gueule et couteau. Hein? Elle me défend. La personne qui t'a humilié sur les réseaux sociaux, c'est toi. Mais quand on est sur ton mec, tu te tais, tu dis pardon. Tu essaies d'embellir l'image de ton mec. Tu ne viens pas nous dire que, wow, Thierry m'a tué, elle a brûlé, oh, wow, pardon, Thierry m'a tué. Et bien, respecter un homme qui brûle une femme, comment? C'est trop me demander. C'est toi qui veux nous dire qu'il t'a brûlé. C'est toi qui veux nous dire qu'il a laissé sa copine pendant la période de deuil pour binder avec toi. Comment tu veux que je le respecte? Comment tu veux que tu le respectes? De la manière dont vous vous êtes rencontrés. Tu veux que je le respecte comment? Oh, Thierry m'a tué. Oh, mes bras. Il m'a tué. Thierry m'a fini. Thierry m'a fini. Les mégots de cigarettes sur la peau. Te tape partout. Tu me parles de quoi? Je te cache. Regarde-moi ça. Ok. Ça ne chauffe pas. Les désespérés. Hein, Yael? Toujours les expériences comme ça, maman. Elle est toujours en direct. Laisse comme c'était. Viens regarder si le miroir qui est ici. Quel miroir? Est-ce qu'il y a un miroir ici? Ah. Un miroir. Le cuir est bon. Dans ta chambre. Quand on met les condiments. Non, tu ne te vois pas. Non, viens voir. Rêve, c'est chaud, c'est putain. J'ai dit que je vais te répondre. C'est tout, Yael. Oh, Adrien. Le cuit est bon quand on met les condiments, ça sent trop bon. Il a fini. Je vais lui dire au revoir. La TKC, mes sympathisants, j'ai envie de vous dire que, franchement, je suis venu pour m'amuser. Je ne suis pas venu, je ne voulais pas parler de ça. C'est que j'ai vu une vidéo là où ce machin là qui a la voix de crapaud là, qui n'a pas de sens là, qui a les enfants, ne voit jamais avec qui elle a fait les enfants. Je dis, elle m'en est pas. J'ai les enfants, ne vois jamais avec qui j'ai fait les enfants. Parce que j'ai une vie privée. Tu es d'accord qu'ils ne sont pas tombés du ciel? J'ai des enfants, on ne voit jamais avec qui on les a fait. Parce que j'ai une vie privée. Toi! Où sont tes enfants? Ils sont où? Elle était en direct. Tu as fait les enfants avec Thierry? Ça fait peut-être 5 ans. Ou c'est pas moi, bon disons 7 ans que vous êtes ensemble. Tu lui as donné quoi? Je ne parle pas de la stérilité des femmes. Parce qu'aucune femme n'est stérile. Mais je te pose la question. Où sont tes enfants? J'ai des enfants. On ne voit pas leur père. J'en ai quand même. Simone Biles, des États-Unis. Elle a grandi, on n'a pas vu son père. Mais elle est Simone Biles. Elle a grandi. On n'a pas vu son père, mais elle est championne.
Quand elle passe, on lui ouvre les portes. Maître James a grandi. On n'a pas vu son père. Il a fait une interview l'autre jour. Et son petit frère. Mais le maître James aujourd'hui, quand il passe, on lui ouvre les portes. J'aime les enfants. Vous avez appelé bâtard. Vous avez dit qu'un troisième bâtard arrive. Pian. Pendant que tu as su insulter, nous on accouche. Tu as compris? Un troisième bâtard. Ça m'énerve même. Un quatrième. C'est bientôt. Donc tu veux me parler là. Cherche d'autres paroles, pas ça. Parce que moi au moins, j'ai fait. Que ça soit avec le fou, le béninois, le congolais, le marocain, que ça soit avec qui, j'ai quand même fait avec un être humain. Et ils sont en bonne santé. Tu as compris? Ils sont en bonne santé. Ma fille compte jusqu'à 10 en français, en allemand. Toi, tu ne peux pas compter. Ma fille parle français, elle parle allemand. Toi, tu ne peux pas. Elle a déjà pris l'accent français. Quand je m'amuse, elle me dit, maman, c'est pas drôle, hein? C'est pas drôle, maman, hein? C'est pas drôle. Mais toi, tu ne peux pas parler. Tu n'écris pas. Elle est comptée déjà de 1 à 10. Toi, tu ne peux pas. On peut être idiote comme ça. On peut être bête comme ça. L'aigreur te pousse à publier une femme qui a fait 7 ans avec toi. Doit un service. Pendant 7 ans, elle était à ton service. Nuit et jour, elle travaille pour toi. Elle insultait ma mère. Elle insulte mon père. Elle insulte ma soeur. Elle m'insulte. Elle insultait tout le monde pour te faire plaisir. L'ingratitude. Après le couple me sent. C'est Guylaine. Après Guylaine, c'est Dolo Moulema. Oh, Gluta, essaye. Nous, on va seulement regarder. On va regarder. On sera là pour observer. Parler de le diamant bleu. Moi, je suis venue dire, c'est interdit de pleurer. On ne pleure pas. On ne pleure pas. Wow. La personne qui a les problèmes avec Ndolo Moulema. Je dis, elle m'allait pas. Loulou compte de 1 à 10. En français et en allemand. Toi, tu ne peux pas. Tu seras sous-assistante jusqu'à la fin de ta vie. À 55 ans, tu seras sous-assistante. 60 ans, sous-assistante. 65 ans, sous-assistante. Je te souhaite la longévité. Tu auras toujours besoin, à bec. Est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux m'aider à lire? Est-ce que tu peux m'aider à comprendre? C'est toi la malheureuse. Va à la mairie de ta ville. Tu ouvres une crèche. Je suis en direct. Elle dit que tous ceux qui sont en classe avec Dolo, appelez-moi, je vous donne ses photos. J'ai 4 photos d'elle. Publie toi-même. J'ai 4 photos. Parce que je suis habillée à Dja. Publie. Toutes les positions. Elle a 4 photos d'elle. Tu ne publies pas pourquoi? Tu n'as plus de vidéo. C'est elle qui ne pleurait. On ne pleure pas. Tu n'as plus de vidéo. C'est que vous ça dit qu'elle a quoi sur moi. Elle arrive. Ce que j'ai su faire, c'est ma mère qui m'a voulu. Hein? Tu as fait quoi, on a vu? Tu n'as plus de vidéo. Elle dit qu'elle a 4 photos d'elle. Publie les photos. Publie les photos. Regardez-moi une idiote. Bon, maintenant les filles, pour clôturer, on va réécouter son histoire à Bordeaux. Ok? La perruque, tata, les 10 portes, là, à vendre. On va réécouter son histoire à Bordeaux. Je vous laisse écouter pendant que je mange mon cuit. Écoutez attentivement comment s'est déroulée la bordelerie à Bordeaux.
Ouais, Seigneur. Ouais, Seigneur. Jusqu'à Bordeaux. Jusqu'à Bordeaux. Seigneur. Donc, Malib est parti jusqu'à Bordeaux. Seigneur. D'ailleurs, jusqu'à Bordeaux, Bordé. Non, tu es forte. Non, ma. Tu es forte, compresseur. Jusqu'à Bordeaux. Qu'elle donne les photos là-haut. Au blanc de la toile. Et qui est Ghislaine. Dont lui-même ne sait pas lire la ligne. Moi, sa père disait qu'elle m'a volé mon portable. On écoute là. Oh, mais c'est le cœur pour ma grande soeur, la star me sang, qui est dans mon direct. L'imperturbable, la gracieuse. Mettez le cœur pour l'imperturbable, la gracieuse. La sublimissime star me sang. Il n'y a pas ton deux. En fait, on se le virage. Hein? Lord de monsieur, c'est Michel qui dit, hein? Elle dit Lord de monsieur me sang. Star me sang. Elle m'avait dit que ma petite. Hein? Voilà ce qu'on appelle le diamant. La star me sang. Une femme digne. 60 carrés ne répond jamais. Mettez les cœurs pour star me sang, s'il vous plaît. Mettez les cœurs pour star me sang. Mais c'est ses condoléances au couple. On l'a vu. On a vu. Personne ne parle. Tout le monde est au pas. On a vu la star, le grand frère. On a vu le grand frère du deuil. Elle m'a bloqué pour rien. Ouais, Marie-Noël. Marie-Noël, je dirais à la star de te débloquer. Que quoi? Rêve, c'est. Vous savez qu'il y a des commentaires que je ne peux pas lire. Que quoi? Bisous à la mamoune. Merci Eposi, merci Matt. Écoutez un peu l'histoire de Bordeaux. Comment elle avait pu se marier à Bordeaux? Tu dis que dans le moulin maille 50 euros. Hein? Tu as eu 50 euros. Deux. Ouais, Maléba, ouais, Maléba. Bipé la belle famille ici. Bipé la famille de Thierry. Il vient d'écouter l'histoire. Elle a pris d'un cassa pour 100 euros. Et non seulement ils l'ont binda, ils l'ont tapé, ils ont pris son argent. Ils n'ont pas donné les 100 euros. En plus, ils ont volé sa recette. Ouais, mais ta Seigneur, il y a des choses sur Facebook. Où est la vidéo là, non? Star me sent bisous, maman. Merci beaucoup. Merci pour la star. Le boubou avant, j'ai ça, non, ma soeur, j'ai ça. Bioti, j'ai ça, ma soeur, j'ai ça. Bipé la famille de Thierry, venez écouter l'histoire. Rocambolex. Il vient écouter comment elle a pris deux clients, deux cassa. Maléba a pris deux cassa. L'incassa ne voulait pas. Elle dit que c'est comment? Tu ne parles pas. L'incassa dit que non, elle ne parle pas encore. C'est caché, non? Hein? Passe. Hein? Tu veux passer, non? C'est avant de ma soeur. Je demandais les bougous, il y a combien? Et j'ai oublié le prix. Qu'est-ce que je crois? Oui. 30 euros. 30. Attends, mais je l'attends. C'était ces 30 euros, ma soeur. Voici ta copine ici. Voilà ta copine. Ici, c'était le jour de son anniversaire. Tu bindais avec son mec. Ici, c'était le jour de l'anniversaire de ta copine. Tu bindais avec son mec. C'est 30 euros, ma soeur. Denise. Beauty, c'est 30 euros. Regardez la tenue. On parle ce qu'ils nous trouvent sur les réseaux sociaux. Voilà ta copine et son mec. Regardez bien la tenue de Tatiana. Voici ta copine et son mec ici. Regardez la tenue. Te voici avec elle. Avec la même tenue. Tu bindais déjà son mec. Ici.
tu bindais le mec. Tu dois rester avec ce fardeau. Le gars ne doit pas te quitter. Il doit continuer de t'humilier. Tu mérites l'humiliation. Tu mérites l'humiliation. Attendez, trouve la vidéo là. Il pleure. Guérève, Biaï, il fallait aussi t'offusquer. Il fallait t'indigner. Il fallait t'indigner. Quand il a quand monsieur Messan avait envoyé tuer. Monsieur Messan voit quelqu'un tuer. J'ai les couleurs, non, ma soeur. Attends, je vais présenter ça, ma soeur. J'ai les couleurs. La couleur, c'est belle. J'ai encore une pièce comme ça. J'ai encore une pièce comme ça. Non, il y a une dame de la Belgique là qui a pris, je crois. Mais j'ai encore une pièce. Premier venu, premier servi. Je ne réserve pas pour les gens. Ouais, la vidéo là me dira souvent. Hein. Hé, hey, c'est comment? Où ça? Bon, on va commencer sur mon mur. J'ai d'autres couleurs, Denise. J'en ai. Hein? L'ambassadrice de Gusta Cosmétique. La marque Gusta Cosmétique. Vous n'aimez pas, mais vous ne laissez pas Flore de l'île. Vous les insultez. Mais tous vos blogs, c'est Lolo, Flore. Vous commencez à venir prendre les vidéos de Lolo sur vos pages. Vous avez commencé à venir prendre les vidéos de Lolo sur vos pages. Vous avez compris, non? Oui. Écoutez l'histoire. Ici, elle nous raconte avant son mariage. D'accord, c'est l'œuvre elle l'aimait. Mais celui de Bordeaux, mon frère de Bordeaux. Je vous laisse écouter. Bluetooth is connected. Ici, elle nous raconte celui de Paris était son bon gars. Deux semaines avant son mariage. Oui, pas comme c'est là où elle l'aimait. Mais celui de Bordeaux, mon frère de Bordeaux, là, c'était pour le chaos. Mais pour ça, là, je ne peux pas l'en vouloir parce que l'amour, on ne dirige pas l'amour. On ne dirige pas l'amour. Ah, tata, là, tu dis que c'est dit, moi. Celui de Paris, moi, je ne connais pas. Mais Nathalie nous disait que non, elle a son bon gars, qu'elle y a mon. Donc, c'est des choses de Paris. Pour moi, si je vous dis que Paris a fait ci, c'est que je suis en train de vous mentir. Moi, je vous parle seulement de Bordeaux. Oui, mais celui de Paris, c'était mon frère. Ngoussa, alors, commence donc. Vous savez, quand tu es, vous êtes entre femmes, vous faites le Congo, ça. Vous faites le Congo, ça, ça, c'est sûr. Tu dis à ta copine que, ma, tu sais, mon mari, hein, mon gars, hein, tu sais, ma, c'est comme ça, hein, c'est comme ça, hein, tu sais que, ma, c'est comme ça. Donc, elle commence donc à faire le Congo, ça. Nathalie ne trouve pas ça normal. Nathalie dit non. Là où nous sommes là, Gervais nous a toujours réunis comme ça. Moi, je ne peux pas voir la fesse comme Gervais ça. Gervais, son mari. Nathalie, maintenant, passe derrière et voit Gervais. Peut-être à deux semaines avant son mariage. Écoutez, Donc, Gossa a commencé à voir. Elle n'avait pas le kaolo. Hein. Elle vendait le piment. Sans kaolo. Deux semaines, on avait déjà fait la publication des banques, tout. Maintenant, Nathalie passe derrière. Et ici, elle nous raconte. Une fille au nom de Njoya, parce que les papiers là, c'était écrit, elle avait les photocopies. À l'époque, elle avait quelle photocopie? Elle avait la photocopie Njoya. Elle avait la photocopie. Elle n'a qu'à poursuivre. On s'en fout. Qu'elle nous poursuit en justice. Elle est mise de conduire. On s'en fout. Elle avait la photocopie. C'est comme ça qu'elle achète son camion à Bordeaux. On s'en fout complètement. Elle-même, elle achète son camion à Bordeaux. Elle n'avait pas les KO. Le gros cœur de ça. Elle achète son camion. Maintenant, elle commence donc à chercher la place. Les filles de Bordeaux s'énervent. Les filles de Bordeaux disent dans l'angoisse que tu ne vas pas au PC. Et qui? Tu vas aller chercher ta place loin. Vous savez là où Ngoza positionne son gars.
non, ma mère. Où? Les gens qui sont de Bordeaux, qui connaissent Bordeaux, vous connaissez où se trouve Bègle, là où il y a l'entreprise des camions, le monsieur qui a la société des camions à Bordeaux, là, qu'on appelle Olano. Massa. Vous connaissez l'entreprise là? Olano. Voici l'entreprise comme ça, à Bègle. Voici l'entreprise comme ça. Donc, l'entrée de l'entreprise est comme ça. Et en face, Ngossa positionnait son camion là. Maman, elle est bleu. Précise. C'était Renault Trafic bleu. Oui, bleu. La même couleur que le camion que Maja lui avait donné. Renault Trafic bleu. Prêté, pas donné. Maman. Loué. Voilà. Maman, les baya. Loué. Donc, Renault elle était Trafic en face. Olano était comme ça. Vous connaissez l'entreprise Olano, les camions Olano, à Bègle. Ça se mettait juste à l'entrée d'Olano. Donc, quand les camions arrivent pour entrer dans la société Olano, on était juste en face. La Renault Trafic bleu. Voici ça ici. Voici ça ici. Voici ça ici. On était juste en face d'Olano avec son camion. Et il dit, mon tien, 15 euros le camion. Et tu parles de 50 euros. C'est qui le roi? 15 euros. Le roi, c'est qui? Dans tous les camions de la main. C'est un roi. Maman, chérie, tu as le cœur. Hein, Eric? Chérie, tu as le cœur. Hey, pardon, si c'est un roi, moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas si c'est un roi. Tu as le cœur. Dans tous les camionneurs de l'anneau, là. Avant d'entrer dans si le roi, tu pas. Moi, je ne savais pas que c'était un roi. Vous, vous montre. C'est sa collègue, hein, son ancien collègue. Loué. Donc, elle était en face. Olano était comme ça. Vous connaissez l'entreprise Olano. Donc, avant le camion rouge, elle est le camion bleu. La Renault Trafic bleu. Ça se mettait juste à l'entrée d'Olano. Donc, quand les camions arrivent pour entrer dans la société Olano, Ngossa était juste en face. Il coupe d'abord là-bas. Olano avec son camion. Et il dit, ma tienne, hein? 15 euros le camion. Là, tu parles de 50 euros. C'est qui le roi? 15 euros. Le roi? N'importe quoi. Le camion de la main. C'est un roi. Maman, chérie, tu as le cœur. Hein, Eric? Olano, c'est un roi. Chérie, tu as le cœur. Hey, pardon, si c'est un roi, moi je ne sais pas. Moi je ne sais pas si c'est un roi. Tu as le cœur dans tous les camionneurs de l'anneau là. Avant d'entrer dans le. Si c'est un roi qui me pardonne alors. Moi je ne savais pas que c'était un roi. À la fin du mois, en tout cas, c'est une société de camions. Monsieur là, les camions de livraison partout dans la France. Mais encore la France. C'est partout. Donc, leur. Maman. C'est mieux. Olano, continue, maman. Je sais qu'on enlève comment. Voilà. Donc, elle vient enlever les commentaires. Donc, n'écrivez plus. Tous les camionneurs d'Olano, la non-tirée, tu as le cœur. Donc, c'est comme ça, alors que Ngossa se positionne à Olano. Elle commence à Woku. Et Ngossa se fait agresser. Hein? Et qui? Par deux. Bah, je ne vais pas citer leur nom. Dengasa. Elle se fait agresser par deux. Dengasa. Et elle appelle. Le jour-là, elle appelle Irène. Irène qui a. Non, si je dis Irène et qu'elle dit sa société à Bordeaux, vous saurez qui c'est. Elle ne donne pas, elle ne dit pas son entreprise. Elle a l'entreprise à Bordeaux. Mais je ne donne pas le nom de son entreprise. Elle appelle Irène. À l'époque, Irène n'avait pas de société à Bordeaux. Elle appelle Irène. À l'époque, Irène se mettait juste à la sortie de la gare. Elle appelle Irène. Irène démarre. Irène arrive dans son truc. Et le gars qui conduisait souvent le truc de Ngossa, c'est Patrick. Patrick de Bordeaux. Ceux qui ont habité Bordeaux connaissent Patrick. Patrick à Bordeaux. Il y a de cela 20 ans aujourd'hui. 20 ans. Et 20 ans. Toutes les voitures d'un gars qui ne connaissait pas conduire, c'est Patrick. Qui déplaçait tout. Seigneur. Et il était payé 20 euros par personne. On donnait 20 euros. Donc, il te déplace, il part te positionner. Et quand tu finis, à 6 heures, il revient. Il te redéplace encore.
il va encore te positionner là où tu laisses. Et tu lui donnais 20 euros aller, 20 euros retour. Donc il avait ses 40 euros comme ça. Et il faisait comme ça. Patrick faisait comme ça. Il avait peut-être plus de 20 clients hein, qui travaillaient comme ça. Et lui-même, il n'avait pas les kaolo. Voilà donc que Patrick se fait prendre par la police. Et les qui balance Patrick, c'est les deux filles qui étaient derrière Moussa au départ. C'est les filles là qui balancent Patrick. Ce n'est pas moi, oh. Ce n'est pas moi, oh. Patrick est parti au Ngata. Et après, l'envoyer au pays. Patrick, jusqu'aujourd'hui, Patrick est au pays. À cause de Ngossa. À cause de Ngossa. C'est parce qu'il partait aider Ngossa. C'est parce qu'il partait aider Moussa. Tu as pris un camion bleu et non jamais en Belgique. Patrick est au pays jusqu'aujourd'hui là. Ouais. N'est plus jamais revenu en Belgique. Oui, Patrick. Dès qu'il a fini sa peine, on l'a rapatrié. Ouais. Il est au cou jusqu'aujourd'hui. Il a Douala. Ouais. Patrick en question, il a Douala. Ouais. C'est qui parle de 50 ans. Non, maintenant alors, Moussa. Camion bleu, Sabrina. On adresse Moussa dans le camion. Mm-hmm. Les gens, vous savez, les gens que je ne veux pas citer leur nom là, mm-hmm. qui ont souvent le tchoukou-tchoukou. Oui. On agresse Moussa. On prend tout son argent qu'elle avait déjà travaillé. Donc, y a, non? Quand elle appelle donc Irène, Irène démarre, Irène arrive. Parce qu'Irène elle avait son permis de conduire. Irène démarre, elle arrive. Elle trouve Moussa en larmes, en pleurs. Maman, oh Dieu. On a d'abord Kenyasu Moussa. Ok. Donc, qu'est-ce qui se passe? On arrive. Camion bleu, son nouveau nom. Et qui veut le tchoukou-tchoukou? Et Moussa dit que oui, je vous prends. Le temps que je fais l'autre prend là-bas, le temps que. Parce que c'était un fantasme que les deux voulaient faire. Ya! Ouh! Je vais me chercher le truc, c'est ça. Donc, sauf qu'ils ont donné 100 euros à Moussa. Tiens, ils donnent 100 euros à Moussa. Elle a créé ça où? Donc, sauf qu'ils ont donné 100 euros à Moussa. Oui? Ça aussi. Coucou mon grand frère, voilà ta petite soeur qui va caler ici là, envoie 50 euros à ta petite soeur, pour qu'elle puisse manger, me reste, je suis là jusqu'à vendredi, encore mon argent a fini, envoie 50 euros à ta petite soeur pour manger au restaurant, là donc, c'est chaud, elle met 50 euros sur mon grand frère, c'est le nom d'un dono qui est gâté, ils sont chiches jusqu'à, même pour amener au restaurant, où elle était bête, où elle était bête, que tu vas garder la jambe alors que les gens là sont là en train de te regarder comme ça. Toi tu gardes la jambe. Les gens là ont tant vu là où elle a vu. Et elle alors ne voulait pas joie. Ok. Elle ne voulait pas joie. Ok. Moussa aussi était déjà impatiente que non. Ça fait déjà plus de 30 minutes. Vous êtes là. Quand tu me. Sandra, tu as fait fort, hein. Ya yeah. Tu as fait fort. Que quoi? Oh, écoute. Comme mon argent a fini. Je dis c'est pour manger au restaurant. Là donc, c'est chaud. Elle met 50 euros sur le grand frère. Et ça, les pères ici, ils sont chiches jusqu'à. Même pour m'amener au restaurant, c'est incapable. Où elle était bête, où elle était doumou. Que tu vas garder la jambe alors que les gens là sont là en train de te regarder comme ça. Ça fait déjà plus de 30 minutes. Vous êtes là. Quand tu ne joues pas, l'autre a joué. Mais toi, tu veux seulement qu'elle continue. Ça dit que non, ça ne se passe pas comme ça. Donne le même problème. C'est bon. Le gars, alors, dit que non, tu me rembourses. Deux semaines, on avait déjà fait la publication des banques, tout. Maintenant, Nathalie passe derrière. Mon frère allait tomber dans le trou. Elle va voir monsieur Moussa. Elle dit à monsieur Moussa que papa, tu ne veux pas un peu retarder le mariage là?
Elle ne rembourse rien. Mmh. Vous savez que comme elle est King Kong là, elle dit qu'elle ne rembourse rien. 100 euros. Le gars a dit que quoi? Tu ne rembourses rien. T'es malheureux. On a d'abord donné un coup de poing en gros ça ici. C'est mieux. Nos pommes, nos arrachés. Là où on s'en mettait, elle avait une petite sacoche comme ça là. Mmh. C'est là où elle mettait. Le gars a porté une petite sacoche. On avait le truc comme ça là. La gueule comme ça. Nathalie arrive. Nathalie lui dit que tu ne peux plus continuer à walk. Parce qu'elle pleurait. Mmh. Irène arrive. Irène lui dit que tu ne peux plus continuer à walk. Il faut qu'on parte d'ici là. Elle dit donc que si on doit partir, on doit d'abord s'arrêter chez toi. Irène dit que non, je t'amène chez ton mari directement. Mmh. On ne va pas passer par 4000 chemins. Et tu ne, ça va, avec la glace, ça va baisser. Si ça ne baisse pas, par contre, demain, va à l'hôpital. Ngosa rentre donc chez Monsieur Ngosa. Si Monsieur Ngosa était au restaurant, vous savez que Monsieur Ngosa c'était quelqu'un qui était connu dans le monde de. Les filles, je vous laisse. Je vous laisse. Malheureusement, j'ai rendez-vous. Je vous laisse. On va décrypter. Allô? Allô, oui. Salut. Je sais. Je te vois, je savais que tu es fatigué. Je savais que tu étais fatigué. Oui. Non. Je te rappelle en 5 minutes. Ciao. Bon, les filles, je vais sortir. On va décrypter le direct. Gluta, oh, porte pleine. Tu effaces le direct, pourquoi? Gluta, n'efface pas ton direct. Laisse-le sur ta page, le temps de l'écouter. Laisse ton direct sur ta page. Il est, Gluta, n'aie pas peur de la plainte. Je ne suis que dans la vérité. Tu as fait écouter mon direct sur ta page. Tu as dit que tu me portes plainte. Maman, tu dois te désolidariser. C'est de ça qu'il s'agit. Je mens. Tu dois te désolidariser. Ne cherche pas à contourner. On avait publié, on avait fait ceci. Non, il en est de ton image de marque. Je n'ai pas touché tes produits. Je n'ai pas eu tes produits ici. Quand je consomme un produit, j'ai le droit de donner un avis. D'accord? J'ai le droit de donner un avis. Ce que je n'ai pas encore fait. Et même si je le fais, c'est de droit. On ne porte pas plainte à tout le monde dès. J'ai dit que tu dois t'indigner. Parce que ton ambassadrice humanitaire, c'est ton ambassadrice humanitaire qui a publié la nudité de rêve. De Nelly. De Sabrina. De toi-même. Tu dois t'indigner. Tu me parles de quoi de plainte? J'ai les grands frères sur mes tas. J'ai les grandes soeurs sur mes tas. L'argent ne va pas manquer. Ne t'inquiète pas. L'argent là ne manquera pas. Tu dois t'indigner. Donc, je vais écouter ton direct. Et on va relancer pour te décrypter. Amélie, on va relancer pour te décrypter. Tu me parles de plainte, tu me fiancée. On t'a dit que je suis malée, tu me portes plainte par rapport à quoi? Porte-moi plainte. Ça sera plus facile pour vous, parce que bientôt, il m'installe en France. Oui, bientôt. Ça sera plus facile pour vous de me porter plainte. Indigne-toi. Fais un poste. Désolidarise-toi. Point barre. N'essaye pas, mais le direct. Mon entreprise. Quelle entreprise? Quelle entreprise? Quelle entreprise? Quelle est l'entreprise que tu as déjà vue dans le monde entier réagir comme toi là? Je te sais professionnel. Je te sais professionnel. Agis comme une professionnelle. Agis comme telle. Je te sais professionnel. Ici, il ne s'agit plus du couple me semble. Ici, il s'agit de la mère de l'humanité.
Il ne s'agit pas de Ndolo Moulema. Il s'agit de la mère de l'humanité. D'accord? Essaye de voir le débat d'un autre angle. À fur et à mesure que vous côtoyez les incrédules, ils vous contaminent. C'est pour ça qu'il y a des gens que je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Ça me retarde. Que de les écouter. Mais je m'avais me nourri spirituellement. Je suis un pasteur. Ou alors je vais me nourrir là-bas au Niger. J'essaie de me renseigner sur n'importe quoi. Les gens que je ne suis pas. La publication qu'elle faisait contre la reine galloise, elle doit faire pareil pour son ambassadrice. Merci beaucoup Nelly. C'est facile. Je ne t'ai rien demandé. Ce n'est pas difficile. Ne botte pas en touche, mais c'est le temps de dire. Ne botte pas en touche. Il ne s'agit pas d'un couple, me semble. Il ne s'agit pas de Samé. Il ne s'agit pas d'un Ndolo Moulema. Il ne s'agit pas de Rêve Mbiaye. On parle ici de la femme. Tous les blogueurs doivent s'offusquer. Mettre un post non à la publication de la nudité de la femme. Je vais le faire et je mettrai la photo de Maléba. Allez me porter plainte. Ouais. Camion bleu. Ambassadrice humanitaire. De la marque Gluta Cosmétique. Publieuse de nudité des femmes. C'est tout. Est-ce que vous devez mettre sur vos posts? Est-ce que j'ai menti? Tu me portes plainte sur quelle base? Tu es sérieuse? Sur quelle base? Même je ne sais même pas comment vous êtes sur les réseaux sociaux. Hein. Tu penses plus qu'elle base. Elle est en train de ternir les marques de ton entreprise. Elle ternit l'image de marque de ton entreprise. Botte-la. Mets-la hors d'état de nuit. Loin de toi. Gardez des relations cordiales. Mais professionnellement, qu'elle ne parle plus au nom de ton entreprise. C'est de ça qu'il s'agit. Vous pouvez être des amis. Allez manger au restaurant. Allez danser en discothèque. Allez en vacances ensemble. Mais qu'elle s'agit du professionnel, mets-la des côtés. C'est ça mon interpellation. Ne t'aperçois pas d'être ami avec elle. Parce que marcher avec elle, c'est te déshonorer. Oui, c'est te déshonorer. Mais depuis qu'elle est avec toi, on a cru qu'elle allait apprendre un peu jusque-là. On a l'impression que peut-être c'est toi qui l'as. C'est pas moi. Il y a un problème. Soyez des amis, des meilleurs amis du monde. Mais professionnellement, là, dis-lui que. Même ma publicité ne partage plus. Ça ne te rapporte rien. Rien du tout. Rien. J'ai vu la star me sent sur TikTok. Comment on appelle, avec la marque là, comment on appelle la marque Coflore représente là? Hein? Des produits cosmétiques là. Nadège. Quoi? T'es parfait, Bainadej. Madame, ça n'est pas une négrie. J'ai vu Madame Essence sur TikTok. Je t'ai parfait, Bainadej. Elle a acheté son sérum. Pourtant, elle m'aimait vendre les produits cosmétiques. C'est pour vous montrer qu'elle n'est pas dans ça. C'est l'entraide. Buta, Madame, ça n'est pas votre level. Oh, Rembe, te porte plein. Oh, porte-moi un peu mon grand frère là. Moi, mais je suis là. Ah, lui, Vasson est là. Dizène est là. Tata Lydie est là. Elle ne tremble pas. Lydie, il faut qu'elle est là. Elle est là à côté. Mana Tonganaise est là-bas au Canada, à Montréal. J'ai un problème. Tu me ressens à quelqu'un qui a un problème. Madame, ça y est, allez. Je t'ai parfait, Bainadej. Pour lui montrer qu'on peut vendre des produits sans se haïr, sans se combattre, sans se dénigrer. C'est la collaboration. Oh, les grandes femmes. Oh, les femmes de valeur. Oh, les femmes dignes. Le goût de ça. Oh, les femmes de valeur. On est dérangé sur les réseaux sociaux. Que wow, tu vends les produits. Pourquoi je dois aller à ton, au lancement de tes produits? Voilà, le madame me sent qui était chez Tim Parfait Banaïdej. Tu as vu? Il y a quoi? Rien. Tim Parfait Banaïdej était à la veillée avec nous. Avec son mari. Posée, elle a fini de rentrer chez elle. Il n'y a rien dehors, tout laisse. Vous luttez pour rien. Tout laisse. Toujours en train de vouloir salir.
sali, noirci pour rien. Oh, tu m'as mangé ton mi. Voilà, Sabrina a commenté, non, même Nyanga. Sabrina est là. Nous sommes en bengue. Éloigne cette peste de toi. Éloigne cette peste de toi. C'est de ça qu'il s'agit. Éloigne cette peste de toi. Tout ce qu'elle touche se transforme en merde. Je vais te citer des exemples. Tout ce qu'elle touche se transforme en merde. Et te, si tu veux, je cite. Donc les filles, je vous laisse. Oh, mon vaincu, mon te, si tu viens, quand je, moi, je m'en vais. Je vais écouter le direct de Gluta. Et peut-être je vais relancer pour qu'on essaie de le décrypter ensemble. On ne pleure pas sur Meta. On ne pleure pas. La vérité blesse, mais le sang ne coule pas. La vérité blesse. Quand le temps lycée, la vérité blesse, mais le sang ne coule pas. Je vais manger mon cuir dans la paix du Christ. Je vais manger mon cuir, car le cuir est bon quand tu le manges posé. Hein? Hein? Tu en veux quoi? Le cuir est bon quand tu le manges posé. Ceux qui sont sur Facebook depuis plus de 7 ans l'ont vu rouler tous les jours en voiture pour aller installer son comptoir de piment quand elle faisait les directs pour avoir la compagnie, c'est tout. On a vu, elle roulait tous les matins, elle installait son piment de comptoir, son piment de son comptoir de piment à comment on appelle l'endroit là? Lieu Saint. Oh, FN Bombis. Coucou ma sis, tout ça fait un bail, FN. Je dis même bah écoutez, elle est là tous les jours, elle m'a dérangé. Coucou Vivette. C'est un beau prénom, hein, Vivette. Vivette. Allô? C'est qui? Oui, c'est une commande. Talita, il y a trop de gens. Guta, il y a trop de gens qui m'entourent. Hein? Vous voulez déranger les gens sur Meta. On a publié une femme. Parlez, vous voulez pas qu'on parle. Hein? Hein? Indigne-toi. Hum? Bon, les filles, je vous laisse. Je vous laisse. On va écouter son direct et on va relancer. Talita Cortez, FM Bombis, Kadina, Kadi Sabrina. Je vous laisse, mes soeurs. Merci beaucoup. Anne-Louise Basson, c'était Rêve de Bicoque. Voilà mes deux prénoms. Alliance Vivette. Waouh, tu as de beaux prénoms. Hein? Alliance Vivette. Je vous laisse, mes soeurs. Oh, et Possi Mireille. Je ne vais pas l'écouter, Possi. Mais il paraît qu'on a dit que ma plainte m'attend. Et Possi Mireille, je m'en vais. Je vais écouter, on va décrypter. Je vais écouter, on va décrypter. Hé, hey, tu as 27 ans. 5, pardon, 57 ans. Il vient un peu guetter ton profil. Hein? Bon, je vous laisse. C'était Rêve de Bicoque. C'était Rêve de Bicoque. Je vous laisse. Les filles, c'était Rêve de Bicoque. Yomi, mon ben Yomi 2. Bye bye.